Tata Zambi, Tadan Zambi, Et oui, le directeur le plus extraordinaire, mesdames et messieurs, monsieur votre animateur Bobby Bata pour vous accompagner, bien sûr, du côté de Versailles. Mon invité ce soir, comme je vous l'avais promis. 4 millions d'habitants et d'espoir d'année. Et oui, mesdames et messieurs, monsieur, je suis en direct, s'il vous plaît, ne m'appelez pas, ne m'appelez pas, ne m'appelez pas. Et oui, mesdames et messieurs, monsieur, nous allons vous donner l'homme direct le plus extraordinaire, le 92 au point de votre animateur Bobby Baka pour vous accompagner du côté de Talanaï, Mikaluba, Kongo, Prince. Gloria et Tunza, ce soir, mon invité, bien sûr, du côté des Bakas, je vous l'avais promis, elle est là. Comme vous le savez, priorité du côté de la musique. Bonsoir, 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 mesdames et messieurs. Et oui, vous connaissez la tradition de l'émission, mesdames et messieurs, monsieur, partagez les vidéos avant que ça ne coupe. Et vous savez que nous sommes attaqués de partout, ces gens qui vont permettre, mesdames et messieurs, monsieur, partagez les vidéos. Toutes les villes appuient l'argent du pétrole. Le Congo est tout sauf une démocratie, un état policier. Tous les villes espires font des trolls, les hommes viennent de trolls. Mais sous la tour, je vois que tous les hommes vivent. Bienvenue du côté de Massembo, bienvenue à vous du côté de Kandabadi, bienvenue à vous du côté de Wendy, bienvenue à vous du côté de Makongo, bienvenue à vous du côté de Matelega, bienvenue à vous du côté de Mayanga, bienvenue à vous du côté de Filo, Simon, Matete, 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 Filo, et son cadavre puisse le sang aveuglé par la misère et la pauvreté. Les Congolais stèsent, ne ferment pas les yeux, compatriotes. Ta liberté, c'est l'État qui la baisse. Y'a pas d'issue dans cette enfer de chair humaine, où les pommes sont des chômeurs, des râleurs, des railleurs, des parleurs. Où le monde bouge à chacun notre autre choix que d'aller voir ailleurs. J'ai fui cette caserne militaire qui s'appelle l'université. Pourquoi leur renfant n'y est-il pas, ils sont envoyés ailleurs. Simple, curiosité, le monde est fondre, je reste sur un rêve moi. André Yangobé, la liberté d'expression a du plan dans l'aile, demande à qui fortune est tombée. Et oui, qui fortune est tombée du côté de la maison d'arrêt. Une pensée à toi, comme animateur, pour que ma femme peut t'accompagner si je veux. Contre l'Union africaine pour non-assistance, contre Hollande pour ingérence outragère, contre la communauté internationale pour négligence, porte plainte, 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 plainte. Le Congo du sang et des larmes, c'est eux qui le créent. Le Congo des libertés, c'est eux qui le craignent. Au nom de Tamatoa, de Kimbangu et des Bafoubou, pour je vous ferai la guerre. Je taperai sous les grands champs, jusqu'à ce que peut-être promis toutes ces pierres qui vous font oublier que nous sommes un peuplé, non des moutons, à qui on tord la conscience à coups de gang et de primus. Mais qui ignore que face à l'oppression, tous les peuples s'unissent. Je n'attendrai pas qu'on punisse pour avoir dit l'austérité. Alors, comme bien fait, je gueule jusqu'à m'en péter les cordes, comme nous devons la prise. J'ai enjambé mes peines et fait la tôle et serré les coudes pour toutes ces majorités qui subissent. Je suis très révolutionnaire avec une opinion, appelle-moi Jean-Claude Mongoïla. Entre moi et les politiciens au Congo, c'est comme les diables rouges et les Congolais à la fin de chaque match. Besoin de Doliprane et de paracétamol, les abogos. Et dans les supplices, nos cœurs se ferment, les souffres quand dans la douleur nos yeux. Eh Congo, eh Congo, eh Congo, eh Mboka chika makoko, eh komina pontu. Mboka chika malwango, walmenyenga, eh walmenyenga, eh walmenyenga, eh walmenyenga. Contre l'Union africaine pour non-assistance, je porte plainte. Contre Hollande pour ingérence outragère, je porte plainte. Contre la communauté internationale pour négligence, je porte plainte. Plainte, plainte, plainte. Yeah, manége Eva, studio Parka, on met l'arnette. Dédicace personnelle à toi, au caporal chef Ferdinand Massolo. Ferdinand Massolo, FM, on a eu ma dédicace personnelle, et j'ai un peu la voix, j'ai la prière, j'ai la voix, 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 j'ai la
Bonsoir à vous du côté de Macrel, bonsoir à vous de la terre du côté de Lubis. Bonsoir à vous du côté de Saint-Patrick, bonsoir à vous de Gouri. Et oui, encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs, monsieur mon invité ce soir, la présidente de l'association Planning. Elle nous parlera de Planning et de Yabonda. Ça, c'est la pure danse en vous. Bonsoir du côté de Bonsoir du côté de
La réunion pour la bibliothèque. Les calices sont tous les calices. Caporal, le chef, faire du nom à son. Oui, elle fait un peu de soin. Tolèque! Allez, Guilima, olé, olé. Yo, la petite amuse. Yo, reste au bonsoir, Pastel, je t'ai battu les gars, mon gars, et ma catholique. Magali, mon fils, la bienvenue. Et les gars, mon gars. Bonne apporter le 15 ans, bonsoir, ami de direct et le plus extra. Bonsoir. Madoda, 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 Mado
Parce que tu sais, c'est tellement compliqué chez nous, surtout qu'on est écouté du monde entier ce soir. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Le plaisir est pour moi de t'avoir dans Ibaka Show. La dernière fois que je t'ai vu, c'était en 2016. Oui. Nous avons eu 3 manifestations. Oui. Tu étais très actif. Tu étais très actif hein, dans le réseau. Et subitement, tu as vu, tu es parti. Brazzaville. En train de gérer des associations. Comment ça t'est arrivé? Déjà, pourquoi t'es parti? Pourquoi tu as claqué la porte? En fait, j'ai pas claqué la porte. J'ai jamais claqué la porte. En fait, ce qui s'est passé... C'est vrai, il faut parler. Parle un peu plus fort et puis... Ouais, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre du vivre ensemble, Madame Ounounou nous a appelés, ma grande sœur et moi, pour qu'on puisse participer à la thématique du vivre ensemble. D'accord. Voilà, et puis on a d'abord fait le vivre ensemble avec Madame Dembo. Je suis passée sur Télé-Congo, ça a été très mal perçu. Je ne sais pas pour quelle raison. On m'a dit tout de suite que oui, je suis passée à la mouvance, alors que non, je n'étais pas passée à la mouvance. Je suis passée... Et même moi-même, je me suis permis de t'insulter. Je te demande oui, des excuses. Vrai. Oui, je t'ai insulté. Non, c'est pas grave. C'est pas... Non, les excuses sont passées. En fait, j'ai été très déçue. Je n'ai pas compris. Parce que je me suis dit, attendez, on est quand même en France, on vit en France, on vit dans un pays qui est démocratique, il y a beaucoup de partis politiques, et puis on est là, on peut s'exprimer, on peut débattre. Et je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on m'a insultée, je suis passée sur Brazzanews, on m'a traitée de pute, de tous les noms, de je ne sais pas quoi. Alors, je n'ai pas compris. Après, ensuite, j'ai essayé de me calmer.
Et puis après, ensuite, il y a eu aussi un autre débat qui s'est tenu avec Dean Elvis Talisson, dans un hôtel. On nous a insulté, on a dit qu'on croit que c'est comme si je travaille, je gagne de l'argent. Je ne suis pas capable, en fait, pour eux, je n'étais pas capable de participer pour payer un hôtel. Alors que moi, ça m'arrive deux fois de partir, par exemple, à Nice, où je loue un hôtel, où je... Voilà, quoi, j'arrive à payer mon propre hôtel, puisque je travaille. J'ai participé avec les Agnès, ma grande sœur, Madame Jean. On a tous participé, parce que c'était une collectif de femmes. On a reçu Dean Elvis Talisson, avec qui on a débattu, on a posé des thématiques, on a discuté. Voilà. Et à la fin, il ne nous a rien donné. Et même s'il nous avait donné, j'aurais pris parce que c'est l'argent du pétrole du Congo. Ce n'est ni l'argent de Sassou, ni l'argent de quiconque. J'aurais fait comme toi, effectivement. Du pétrole. C'est l'argent de chez. Voilà, c'est l'argent du pétrole. Dès lors où Bolloré se sert et puis on dit on met ça ici en France, je ne vois pas pourquoi moi je ne vais pas me servir. Vous comprenez ? C'est ce qui m'a énervé. D'accord. Alors ça m'a énervé, on a commencé à dire que oui, je suis vendu, je ne sais plus quoi, et je ne sais plus quoi, que Kiki, que je ne connais ni d'Adam ni de Ève, que j'étais la maîtresse de Kiki. Je ne sais pas, on m'a donné des... Ça, c'est congolais. Hein, voilà, j'étais la maîtresse. C'est vrai, effectivement. Et même, je vais dire, Kiki, je tiens à dire aux gens, Kiki, c'est un très beau garçon. Quand on marche dans la rue, je ne vois pas même des hommes de 20 ans qui se laissent aller, ils vous coupent l'envie. Vous coupe toute envie sexuelle. Moi, un homme comme Kiki, pourquoi pas? C'est un bel homme. Voilà. Alors, je ne vois pas tout ce qui a été dit. Je n'ai rien compris. En fait, les gens, ils ont oublié. Ils ont oublié tout ce que j'avais eu à faire pour le combat. Ils ont oublié, par exemple, les indignés. Non, moi, je pointe du doigt. On t'a dit, oui, on pointe pas du doigt. Non, moi, je pointe du doigt. Les indignés 242. Et c'est moi, Gloria Edunsa. Les indignés 242 qui ont fait leur congrès, qui n'avait même pas un centime. J'ai investi dans ce congrès. Les photos, comment on appelle, les affiches et tout qu'on sort, c'est sorti de ma poche. Ils ont bien accepté cet argent. Venir ça, mettre. Ça, c'est en quelle année, les indignés? Mais je ne sais pas quand ils ont fait leur fameux congrès. Non, d'accord. Okay, ils n'avaient pas d'argent pour investir. Je le dis. Hein, ils t'ont indigné. Bah, tout le monde. Ils m'ont insulté, coupé machin. Oh oui, je suis du pouvoir. Mais si je suis du pouvoir, hein, ils sont bien vus. Ils ont... Je n'ai pas compris. Moi, je n'ai rien compris à des bêtises comme ça. D'accord, de toutes les façons, la bêtise, chez nous, les Congolais, se commence à voir. En allant à Brazza, oui. Quand tu arrives à Brazza, effectivement, oui. Tu es déçu de la diaspora, parce qu'effectivement, je t'ai vu dans les combats, je t'ai vu dans les meetings, en plus, à cette époque, c'était des meetings de 2000 personnes, il y avait une belle organisation. Ok, déçu de la diaspora, tu t'en vas, ok. En partant, tu arrives à Brazza. Oui. Comment tu as créé cette association? Pourquoi cette association? Déjà, parle-moi de cette association. À la base, avant de parler d'association, je me suis dit, bon, vulgairement parlant, parce que tout le monde est vulgaire, ils me font chier, je me casse. Je pars, bon, je laisse tomber. Je vais là où je sais mieux faire, c'est-à-dire la société civile. Moi, je suis plus... Déjà en 2000, parce que je connaissais bien Anne Hidalgo, dans la mesure où j'avais une association qui s'appelait, ça s'appelait déjà comment, quand j'étais jeune, l'association Festival de Danse et de Musique, que j'organisais en fait dans le 18e, parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune, j'habitais dans le 18e arrondissement, vers Max Dormois et tout, et j'organisais justement les choses là. Ça veut dire que j'allais voir les bars, les tabacs et tout ça, et je mettais en fait la culture des jeunes, la culture urbaine. Je mettais ça en place. Les jeunes pouvaient aller jouer dans des cafés, des trucs comme ça. Voilà, j'organisais déjà ça. Et de là, j'ai connu le maire Vaillant. Voilà. À la base, je suis déjà dans le social, parce que je fais déjà les choses dans le social. Voilà. Alors, je suis allée rendre visite à ma maman, parce que ça faisait une éternité que je n'avais plus vu ma maman, parce qu'avec nos conneries d'opposition à deux balles, alors du coup, on vous dit, oui, tu vas à Brazza, machin. Ah là, je te rejoins. Vraiment, ouais, l'opposition à deux balles. Oui, l'opposition à deux balles. Tu vas à Brazza, oui, tu vas à Brazza, on va arriver là-bas. C'est comme si on était, je ne sais plus comment on appelle, comment il s'appelle déjà l'acteur là, Bonnie and Clyde, quoi, quand on est des meurtriers, parce qu'on dit, oui, ça soit tué, c'est pas parce que tu dis ça soit tué, comment tu arrives à l'aéroport, on va t'arrêter. Hein? Tout ça, c'est pathétique. Alors, du coup, je suis allée à Brazzaville voir ma maman. Maman habite à Wenze. Papa, mon père qui est décédé, est congolais.
mais c'est ma maman qui est centrafricaine. Maman habite au Congo. Et mon père, lui, il a son domaine, en fait, à Makelekele, vers l'ex-télé. Mais maman n'habite pas à l'ex-télé, elle habite à Wenze, Wenze 2. Alors, du coup... Wenze 2, c'est chez moi, ça. Voilà, elle habite à Wenze 2. Du coup, en arrivant à Wenze 2, je ne suis pas allée chez papa, je suis allée directement chez maman. Parce que, bon... Elle est à Wenze. Voilà, elle est à Wenze. C'est l'un des meilleurs quartiers du Congo. Ça n'engage que moi. J'adore. Non, c'est vrai, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Ouais. J'arrive à Wenze et franchement, ça m'a beaucoup plu. J'ai aimé, ça n'avait rien à voir avec des bêtises qu'on me racontait, que oui, il n'y a pas ci, il n'y a pas de super... Ils ont... En fait, quand on entend parler des gens sur Facebook, tu as l'impression que c'est vraiment l'âge de pierre. Il n'y a rien, comme s'il n'y avait rien. Mais attendez, il y a des pauvres ici aussi. Quand on sort le matin, les clochards qu'on voit dehors, ça ne nous empêche pas de manger notre sandwich. On se dit, oui, les gens souffrent, les gens... Mais ici aussi, les gens souffrent. Là-bas, ils souffrent peut-être matériellement, mais au niveau mental, nous, on souffre ici au niveau mental. Dans les métros, les gens, ils ne se rient pas. Moi, j'étais super contente de prendre leur, comment ils appellent ça, la Quaster. Le Quaster, ah, c'est génial. Oui, des sans-son. Ouais, ça, c'est génial. J'ai adoré. Parce que dans le Quaster, on est là, tout le monde crie, ça parle, ça parle. Ça n'a rien à voir avec nos bus où tu dois te taire, tu dis rien, tu es là. L'autre ne te sourit pas, personne ne te regarde, tu n'existes pas. Mais là-bas, c'est génial. J'ai beaucoup aimé. L'idée de l'association... Avant d'aller au Congo, tu avais fait combien de temps dernier voyage là, tu avais fait combien de temps avant de repartir au Congo En fait, parce que tu parles de ça avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'amour. On dirait sauvage, t'a marqué. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Mais tu es parti avant, depuis combien de temps? J'ai pas souvenir en fait. Ah bon, donc le Congo, tu venais de découvrir. Ouais, je venais découvrir le Congo. Encore une fois, toutes mes excuses. De rien. Continuons. Ton association. Alors, mon association est née. C'est une petite qui s'appelle Marjolaine, qui devait avoir à peu près 13 ans, qui était enceinte en fait. Je discutais avec la petite parce que c'est une petite qui est une petite voisine. J'ai discuté avec la petite, j'ai dit mais comment ça se fait que machin et tout, puis elle dit elle sait pas. J'ai dit comment ça, on t'a pas expliqué parce que nous ici à l'école, enfin je sais pas, ici à l'école, dès la primaire, à partir du CM2, on apprend les sciences naturelles. Sciences naturelles, ça veut dire comment faire des enfants, comment, vous voyez, non? Mais on forme sciences naturelles, je sais pas, voilà. On apprend tout ça, là, le commencement du comment. Et là, j'ai essayé de regarder, j'ai essayé de voir, j'ai discuté de gauche à droite, j'ai discuté là, puis j'ai décidé. Sachant que moi-même, j'ai déjà une association ici. Ça veut dire que j'ai une association parce qu'au Congo, là-bas, je ne suis pas présidente. Celle qui est présidente, c'est ma nièce. D'accord. Qui est présidente de l'association. Moi, je reste trésorière. Okay. Ça veut dire que je m'occupe des comptes parce que eux et les comptes, c'est deux. D'accord. Moi, comme je suis assez pingre, ça, je n'ai pas honte de le dire. Ah, t'es pingre. Je suis généreuse, mais je ne jette pas mon argent n'importe comment. Ça, c'est bien. Voilà, je ne supporte pas dépenser de l'argent pour dépenser. Tout à fait. Voilà, je ne veux pas aller m'acheter des trucs parce que X a un truc, je m'en fous. Voilà, parce que je gagne difficilement mon argent. Finalement, il y a vraiment la pote, en fait. Moi, quand je te voyais, je pensais que, bon, bah, effectivement, je me rends compte, au fait, tu as passé ta vie ici. Oui, j'ai passé ma vie ici. Ok, d'accord, ok. J'ai passé ma vie ici. Même pour dire, j'ai passé toute ma vie ici. Alors, du coup, je découvre le Congo et franchement, c'est extraordinaire. J'ai beaucoup adoré, j'ai aimé. Ouais. Voilà, j'ai aimé et franchement, j'ai aimé. Et surtout, ce que j'ai aimé, Bob, c'est on danse tout le temps. C'est vrai, tout le temps. Ouais, mais ça, j'ai mon avis. Non, j'ai mon avis. Pourquoi on danse tout le temps? On danse tout le temps. Ouais, on danse tout le temps et on boit tout le temps. Et on boit tout le temps. Et il y a toujours des couples. Tout le temps. Des couples et couples, toujours. Non, j'ai beaucoup aimé. C'est génial, quoi. Et puis, voilà, c'est... Bon, tu peux aller... Bon, moi, quand j'étais là-bas, je me dis, le Radisson, je m'en fous, moi, du Radisson. Je connais les palaces. Radisson, c'est l'hôtel, Oscar. Ouais, ouais, ouais. Je connais le Negresco à Nice. Tout ça, je connais tous ces trucs-là. Je ne suis pas venue là pour découvrir. J'étais vraiment, vraiment avec les habitants. Et ça, donc, tu as passé ton temps à Wenze dans ces quartiers populaires. J'ai passé mon temps à Wenze, un peu partout. J'ai passé mon temps là. J'ai beaucoup aimé. Ok, ben écoute, déjà, bienvenue dans les Bakasso. On va mettre un tout petit peu de musique, nous allons revenir, le temps de nous partager un petit verre, parce que j'aime bien le faire, vous savez, nous sommes du côté de Versailles, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mon invité ce soir, vous la connaissez, elle est plus à présenter, Gloria, et on va continuer, parce que la tradition de l'émission, au moment, je vais te laisser, parce que je me rends compte que tu as beaucoup de choses à dire, et tu veux le dire tout à l'heure. Ah, tu veux que je dise non, après, oui, seul oui.
Non, non, oui, non, non, tout à l'heure, non, tout à l'heure, après, à la fin, non, je serai là, à côté, oui, tu diras, oui, voilà, parce que oui, tu vas dire si tu as des messages à transmettre, si tu as des excuses à faire, si tu as des ton coup de colère, il faut profiter des vacances. Non, parce coup de colère peut-être, mais bon. Oui, mais non, non, ça c'est après, oui, après. Le coup, ouais, après. Là, pour l'instant, c'est parler de l'association, surtout des choses qu'il y a à faire. Nous, en tant que diaspora, en tant que diaspora, on a une mission, et ce qui n'est pas normal, c'est que ce n'est pas normal. Non, mais je sais qu'on a un verre à prendre, on peut d'ailleurs le prendre là, comme ça, ça permet de Non, je ne bois plus en direct, mon directeur m'a dit plus jamais. Parce qu'on me traite de soulard, on dirait, bah, bilan, on te veut soulard. Là-bas, tout le monde boit. Là-bas, tout le monde boit. Depuis 9h du matin, ils ont leur ngok. C'est ça qui est extraordinaire. Non, t'as dit 9h, c'est 6h qu'il y a la ngok. Ah, 6h, non, je suis pas arrivée à 6h. Hein? Non, Bob, ce que j'essaie de dire, c'est que nous, en tant que diaspora, on a quelque... il faut à tout prix qu'on fasse un travail de telle sorte à porter. Il faut qu'on prenne ça sous, on le mette de côté et qu'on voit la population. C'est la population qui a besoin. Tu sais, c'est comme, par exemple, tu es marié avec une femme, vous divorcez, vous vous êtes chamaillé avec la femme, vous vous détestez, vous vous êtes battu. Tu vas négliger les enfants à cause de la femme? Ou tu vas négliger les enfants à cause de l'homme? Sassou, tu es divorcé avec Sassou, occupe-toi de la population. La population sont là pour ça. Tu vois, on ne peut pas tout le temps mettre les choses. Oui, il a fait ceci, il a fait... Non, les gens là-bas, franchement, les gens là-bas sont très déçus de nous. Quand tu arrives, tu dis, la France, ils n'en ont rien à faire. Ils sont déçus parce qu'on ne leur apporte rien. On ne leur apporte rien. On est là, on ne fait que parler avec nos bouches. Manger, boire et parler. C'est tout. Mais on ne fait rien. Voilà. Là, en ce moment, je suis en train je participe à un atelier là, pour monter moi, par rapport à mon projet. Je participe à un atelier pour le financement. Et je t'assure, Bob, quand tu arrives là-bas, c'est que des Maliens. D'abord, c'est que l'Afrique de l'Ouest. Je suis la seule à être de l'Afrique centrale. C'est que des Maliens. C'est des présidents. Il y en a qui parlent mal le français. Ils ne sont pas de costard-cravate. Mais quand le gars te parle de son projet, là, tu dis non, tu tombes de haut. Mais ils font des, comment on appelle ça, des puits pour l'eau potable, pour ceci. Non, on est là, on dit oui, ça se donne les l'eau potable. Mais ici aussi, on a l'argent, on peut prendre cet argent et puis aller faire l'eau potable. Est-ce qu'on a des ingénieurs? Est-ce que, voilà, c'est ça, déjà commencer à se poser des vraies questions. Les Maliens là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je vois les Sénégalais, là samedi à 14h, on a rendez-vous pour pouvoir participer à l'atelier monté pour le projet, quoi, monter le financement. Ça, c'est pas normal. Merci, j'ai pris du bon. Bon, écoute, t'occupe pas de lire pas ce qui est écrit là, sinon tu es déstabilisé. Si tu lis ce qui est écrit là, je ne peux pas. Non, ça me dérange pas. Non, je sais pas. Non, je suis bien portant. Tu es bien comme ça là. Voilà, je suis bien, voilà. Je bois bien, je mange bien, je me porte bien. Voilà, et je bois mon bon verre de vin blanc, ça fait grossir. Tant mieux, je suis contente. Voilà. Bon. Et les hommes préfèrent les grosses. Bon, toi, t'as fait, allez. Voilà, voilà quoi, et puis voilà, tu comprends ce que j'essaie de dire? Allez, laisse écouter un peu la main. Bon, ok. Il commence la provocation. Et puis on s'en fout, on est bien. Il n'y a pas de soucis. Mama.
okobele na kinjasa nyosoe na ebiete osino aluka kingai na talaki eo na miso ya kole asutuki eko sala pasi na motemae nikambo na salite o babele langai ekofoke ngai malade na estoma mama. Yoga Sebene. Eh oui, bienvenue à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour toutes les personnes tombées à la misère, y'a Congo. Y'a Kolela. Mama, oh, Olivier Mbunga Mansingo. Bonsoir à toi, très cher frère, si je peux me permettre. Oh, c'est rien que Christian Abassoka, vous le tenant à bonsoir. Tombe à la misère. Eh oui, mon invité ce soir. Eh oui, je suis en train de la découvrir comme vous. Eh oui. Nous avons du talent dans ce pays. Ça n'engage que moi, bien sûr. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté des Bagachos, mesdames et messieurs, monsieur le directeur le plus extra. Messieurs, sanguissons. Agathe, bonsoir à toi, ma bien, Nkuka. Tombe à la misère, même. Va sauter maïs, mais le basse d'un. Bolingo, goya. Angaïna.
bali misère. Et oui, le directeur le plus extraordinaire, le 92 ou 92, le bonzé, monsieur du côté de Philo Simon, comme Mathieu Tsekibo, Sikibo, des Amour, Madia, Makoubo, Rousso, Banda, les Banda, si je peux me permettre. Banabé, Abalaki, Sassa, bonsoir, Aboué, Lengambonda, Martial. Et oui, le directeur le plus extraordinaire, mesdames et messieurs, monsieur, si je peux me permettre, votre animateur, Bandi, Makabo, vous accompagner du côté de l'air. Si je puis te permettre. Maman, maman. Allez. La Gloria. T'as vu, il y a du monde. Il y a le grand Yakuza qui vient d'arriver. Il y a Sylvie, Karine. Oh, ça c'est. Ah, Sylvie, salut. C'est monsieur le directeur de l'église. Merci, ma belle. Allons-y. Elenga Bonda. Elenga Bonda, Elenga Bonda. Bienvenue, 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 bienvenue. Olga Blanche Makosi, bonsoir à toi, mère. Eh oui. On parlait en off tout à l'heure. Oui. Brazzaville t'a marqué. Hein. Beaucoup. En fait, je. En fait. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Ouais. En fait, j'ai découvert Brazzaville. Mmh. Oui, vas-y, on t'écoute. Moi, je m'attendais à ce que Brazzaville, comment je peux appeler ça, en soit dans un pays, un peu comme dans les films, là. Je ne sais pas si tu vois, parce que vu que la diaspora avait une façon de dramatiser, en disant que oui, il n'y a rien qui est fait, c'est pas construit. Il est vrai qu'il y a des problèmes. Problème, il y en a partout. La vie, c'est que des problèmes. La vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Il y a toujours des problèmes. Mais j'ai découvert des bâtiments. Je me suis dit, ah, mais il y a des bâtiments. J'avais l'air bête, j'avais l'air conne. Parce que je me suis dit, mais. Donc, tu pensais que Brazzaville, c'était un petit village avec des cages. En fait, je me suis revue parce que j'avais un ami. Je me souviens quand j'étais en primaire, j'avais un ami. Il m'avait dit, oui, est-ce qu'il y a des lions chez vous? Tu vois, je me suis souvenue en me disant, mais mince. Un ami blanc. Ouais, un ami blanc. Je me suis dit, mais je tombe en école primaire. Je me suis dit, mais mince. Mais moi-même aussi, j'ai pensé, vu qu'on a tellement diabolisé des choses, oui, Sassou ne fait rien. Je ne suis pas là pour prendre la part de Sassou, de je ne sais pas qui ou de je ne sais pas quoi. Mais moi, j'aime la vérité. J'aime quand mes yeux voient ça, ils disent. Ça, c'est le mal. Maman m'a beaucoup tapé. Pour ça, parce que je me souviens, on prenait ma bouche pour dire une bouche ne sort jamais les vérités. Parce que moi, quand je vois quelque chose, je le dis. Si ça ne va pas, je te le dis. Je le dis carrément, ça ne va pas. Que ce soit en couple, en pas couple avec la famille, avec les grandes sœurs. Même ma grande sœur, elle est témoin, ma grande sœur, elle a 10 ans de plus que moi. Quand ça ne va pas, je vous dis les quatre vérités que ça ne va pas. Il n'y a pas les droits des neiges, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas le seul. Est-ce que tu ne penses pas le fait, depuis ton enfance, de ne pas aller au Congo et que tu arrives au Congo en 2016, hein, c'est en 2016 que tu es parti. Non, 2017. 2017, oui, que tu es parti. Et de découvrir ce pays que tu viens de dire. Tu as vu qu'on danse. Oui. Donc tu as vu la fête. Est-ce que c'est pas ce plaisir que tu as vu, que tout le monde est dans la joie, qui a fait que tu dis que Brazzaville est bien? Parce que moi, je te comprends hein, quand tu parles de Brazzaville comme ça. Parce que nous qui avons vécu à Brazzaville, moi je suis né à Brazzaville, grandi à Brazzaville, je connais ce pays. Je comprends, je suis allé à Brazzaville, je t'ai dit tout à l'heure, effectivement, je suis arrivé après 17 ans après, 20 ans après, je rentre au Congo. J'ai eu ce même sentiment que toi. Mais si en allant, en faisant ces allers-retours, je ne vais pas te dire aujourd'hui, nous n'allons pas être là pour la critique. Mais quand tu vois cette population, tu vois que tu as vu...
Tu as dû, donc, si tu étais à Wendy, tu as dû porter des bidons de 25 litres d'eau. Non, je ne peux porter des bidons de 25 litres. Pourquoi tu veux que je porte des bidons de... Il y a quand même l'eau qui arrive, toi aussi. Ah, ah, on va pas épuiser l'eau quand même, quand même. Ah oui, l'eau des bâches. Ah bon, je comprends. Non, pas l'eau des bâches, ça sort comme ça et puis les gens ils remplissent. On va exagérer. Tu habites dans quel quartier? C'est Wendy 2, c'est vers... comment elle appelle ça là? Est-ce que ma grande sœur est là? Wendy 2. Il y a la pompe, il y a l'eau de la pompe là-bas. Non, mais t'as une maison, tu loues la maison. Puis non, y a l'eau qui sort. Non, tu n'as rien compris, c'est l'eau de la bâche. C'est pas, non, 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 c'est pas l'eau de la bâche, c'est l'eau qui sort. Des fois, il y a des coupures d'eau, il n'y a pas d'eau, mais il y a l'eau qui sort. Et quand ça sort, tu remplis ton truc. Tu remplis ton truc, on a même des. Ça sort, l'eau qui sort entre 1h et 2h là. Non, ça peut sortir toute la journée, il peut avoir des coupures d'eau, comme des coupures d'eau. En 2017, il y avait l'eau. Là, il y avait. Non, non, moi je ne vois pas pourquoi je vais raconter des salades. Non, je comprends, non, je comprends. Voilà, moi, personnellement, il est vrai qu'il n'y a pas d'eau chaude comme ici, il faut chauffer de l'eau. Nous qui venons aller de l'étranger, moi j'ai une peau assez sensible, il faut que je chauffe de l'eau. Mais une chose est sûre, il y a. Non, moi je il faut que ma grande sœur me dise. Hein? Wendy 2. Wendy 2. Aide-nous un peu, Wendy 2. Il y a Marie Wendy 2. C'est maman où? Était déjà où? Elle est là. Elle est là. Maman était où? Marie-France, Wendy 2, c'est où? C'est 753, c'est Wendy Manzanza. Non, c'est 55. Wendy, 753? Ouais. C'est 55. Wendy 55, donc voilà, c'est vers les Koumbi. Non, c'est vers Sabakoulou. Sabakoulou, ouais. Donc ça veut dire c'est Wendy Manzanza. Voilà. Non, franchement, il y a des problèmes. Je veux bien, il y a des problèmes. Pour un pays, tu sais, Bob, moi j'ai réfléchi. Parce que j'ai beaucoup marché. Hein. Je n'ai pas fait la française ou l'européenne ou qui arrive de poteau, comme ils disent. Et puis, je prends les taxis. Non, moi, j'ai demandé à marcher. Même quand maman dit, non, j'ai pris mes baskets. Je veux marcher, je veux voir. Il est vrai qu'il y a des problèmes. Mais franchement, il faut que chacun d'entre nous fasse quelque chose pour améliorer. Tu vois, c'est comme par exemple, tu vois, regarde. Bon, par exemple, moi, je sais, des fois, quand j'ai eu des difficultés, moi aussi, j'ai eu des difficultés financières. Quand j'ai eu des difficultés, j'étais dans mes difficultés financières. Je ne voyais pas ce qui se passait autour. Dieu merci, j'ai des grandes sœurs, j'ai des petites sœurs, j'ai des amis aussi, et j'ai des collègues qui m'ont, à midi, par exemple, avec mes collègues, quand on déjeune à midi, ils me disent, oui, Gloria, ils essayent de me donner des idées. Peut-être que ceux qui habitent là n'ont pas les idées. Ceux qui sont dans le même pays, qui vivent au quotidien, parce que moi, je vois quand on a essayé, j'ai organisé avec certaines femmes pour leur dire, bon, avec le peu d'argent que j'avais, j'ai dit, on va monter un petit quelque chose. Je ne vais pas pour l'instant faire comme une coopérative parce que je n'ai pas financièrement les moyens pour faire une coopérative. Mais j'ai monté un petit quelque chose avec les femmes de Wendy, c'est ceux qui m'ont soutenu pour ma campagne. Ils sont une trentaine, je leur ai monté le marché. Par exemple, j'ai financé pour qu'elles puissent vendre les choses au marché pour pouvoir les rendre. Il y a ta grande sœur qui est en train de dire tout est à reconstruire. Oui, tout est à reconstruire. Non, mais elle exagère aussi. Tout n'est pas à reconstruire. Il y a déjà des choses. C'est sûr que, parce que moi je connais ma grande sœur, elle est perfectionniste. Tout à reconstruire, c'est comme si les routes, tout. Ce n'est pas parce que. Non, mais moi, tu vois, ce que je trouve d'aberrant, c'est qu'on compare le Congo à la France. Et moi, je ne peux pas accepter qu'on compare un jeune pays. C'est comme si tu te compares, toi, moi qui ai 47 ans, je vais aller me comparer à ma fille qui a 24 ans. Non, mais ça ne va pas. Tu vois bien que ça ne va pas. 60 ans d'indépendance, on n'est même pas encore indépendant, puisqu'on est encore lié avec les accords. Hein? Vous savez qu'on ne fait pas ce qu'on veut. L'argent, nous ne recevons pas l'argent directement. Quand l'argent arrive, c'est ici dans la banque, ici en France, le temps qu'ils travaillent, ils trouvent machin, ils font leur machin intérêt, puis après, ils nous donnent, et ils ne nous donnent pas tout. Hein? Bon, il est vrai qu'ils vont venir, ils vont faire ce... Mais non, moi, je ne suis pas d'accord. Tu vois, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pour qu'on puisse faire comme les Maliens et les Sénégalais. Il faut à tout prix faire comme les Maliens et les Sénégalais. On doit reprendre ce qui nous appartient. Ça veut dire qu'on doit se battre pour pouvoir prendre des subventions ici. C'est notre argent, ça nous appartient. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Alors, comme ma grande sœur dit, tout est à reconstruire. Je trouve que... Non, je ne suis pas d'accord. Il faut avoir un grand cœur. Je ne suis pas d'accord. Dis-moi que je n'ai pas un grand cœur. Non, elle n'a pas dit qu'il ne faut pas. Elle a dit, non, non, non. Elle a pas elle dit quoi? Elle a dit, ta grande sœur a dit,
Il faut. Oui, il faut avoir un grand cœur, Gloria. Il faut voir grand. Ah, il faut. Oui, mais attends, tu peux pas voir grand si tu n'as pas les moyens. Tu sais bien que nous sommes liés à la France. Il y a Marito aussi. Hein, pardon, pas toi. Hein, on est liés à la France. C'est la France quand même qui décide de l'argent qu'il va nous donner. C'est la France. Toi, tu discutes. Nous sommes à la gauche moderne. Nous sommes avec un parti politique ici en France à la gauche moderne. On côtoie les députés et tout ça. On sait ce qui se passe. Quand nous nous ouvrons notre bouche, nous savons ce qui se passe. On peut pas, on va pas, on n'ouvre pas la bouche comme ça. Tu es à la gauche moderne, je suis à la gauche moderne, on rencontre les gens. La dernière fois, on est allé au Sénat. Quand nous sommes allés au Sénat, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? On doit développer le pays économiquement. Nous devons travailler économiquement. On nous a dit de laisser la politique et de travailler économiquement. Tant que l'Afrique, tant que les gens ne pourront pas, tant que les gens n'auront pas l'argent, tant que les gens ne seront pas économiquement indépendants, ça ne sert à rien de demander la liberté. Alors, excuse-moi, tu es à la gauche moderne, pardon. Je suis à la gauche moderne. Nous sommes à la gauche moderne. Nous côtoyons tous ces gens. Non, mais attends, qu'est-ce qu'elle... Non, mais il y a Marie. Non, je t'ai dit, ne lis pas. Si ouais, tu laisse lis... tomber. Ouais, parce que là, tu sais, viens à Ebakacho, comme ça tu vas parler de ton séjour. Ce que tu as vécu là-bas, ça c'est toi. Voilà. Okay. Revenons sur je reviens moi à, par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport aux renseignements que j'ai pris avec les députés. Moi, je suis à la gauche moderne. Je côtoie les députés. Là, je déjà pour ceux qui connaissent pas la gauche moderne, c'est quoi déjà la gauche moderne? C'est le parti au centre. On est avec Borloo. Borloo. Voilà. D'accord. Borloo, c'est pas gauche moderne. C'est pas Borloo qui veut nous mettre le courant avec. Si, mais oui. Tu vois, voilà. Tu vois, moi. Voilà, tu vois, voilà, tu vois, après ensuite on nous dit oui, toi tu es idéaliste. Non, nous on a quoi nous? Qu'est-ce qu'on a Bob? On a quoi? Pourquoi vouloir copier à 200%? Et je parle les mèches là aussi. Si je mets ça, parce que là je suis en train de parler, on va me dire oui, toi tu mets les trucs des blancs, mais si je mets ça, c'est parce que je crains les cheveux. Mais sinon j'ai des cheveux. Revenons sur Borloo. Voilà, si Borloo veut mettre l'électricité solaire. C'est parce non, que nous avons. Il faut regarder oui, là-bas. Parce que moi. Nous avons quoi? Nous avons le soleil. Et c'est le soleil qui fait notre électricité. Et ça, au lieu qu'on crie, on pleure, on machin, faisons des formations. Nous sommes ici en France, bordel. Nous sommes ici en France. Profitons, les formations sont gratuites. On a droit à gratuit. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Pour avoir une formation gratuite. Pour avoir une formation gratuite, tu peux même faire le ménage pendant 6 mois. Dès que tu cotises aux ACEDIC, tu travailles pendant 6 mois, tu cotises, tu te fais ta formation. Et ensuite, tu peux aller développer ton pays. Hein? C'est pas possible. Hein? Voilà. Eh oui. Nous avons l'électricité parce que nous, on est là, on dit oui, le courant. Mais ici, on a besoin de courant. Il fait froid, il fait ceci, on a besoin de courant. Pour pouvoir se chauffer, on a besoin de courant. C'est ça. Mais alors qu'au pays, en Afrique, avec le soleil, Dieu nous a donné le soleil. Mais est-ce que tu te rends compte que Dieu nous a doté de même Brazzaville que tu vois, Brazzaville, même le Pointe-Noire, il y a l'eau partout. On peut monter des projets, appel à projets. Là, on nous finance, les Maliens. On peut faire des projets pour pouvoir développer le pays. Bon, hein? Faire de l'eau potable. D'accord. L'eau potable, on peut le faire. Pourquoi okay. Dire oui, Sassou n'a pas. Mais si, mets Sassou de côté. Toi, tu es la nouvelle génération, tu dois apporter. C'est comme si tu as fait ton enfant et maintenant l'enfant va venir te gratter et ne te montre jamais rien. Moi, si mon enfant ne me montre pas le truc, elle dégage. Parce que je ne vois pas l'utilité d'avoir un enfant. Tu es censé m'apporter puisque c'est toi la génération. C'est toi le futur. Tu dois m'apporter les choses du futur. Ce n'est pas à moi qui suis du passé qui va encore apporter. Tu vois ce que je veux dire? Moi, attends, avant que tu coupes, je sais que je suis bavarde, avant que tu coupes, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée, par exemple pour les États-Unis d'Amérique. Ils ont développé ce pays. Et John Kennedy avait dit, ne te dis pas ce que les États-Unis vont t'apporter. Dis plutôt ce que toi, tu dois apporter aux États-Unis. Donc ça, moi, je dis aux gens, ne dis pas ce que le Congo doit t'apporter. Dis ce que toi, tu peux apporter au Congo. Tu es sorti du pays. Les gens qui sont là-bas attendent de toi et attendent beaucoup de toi. Alors, dans ce cas, développe-toi ici. Il y a des formations gratuites. Nous avons cette chance parce que nous payons les impôts et ces impôts servent justement à financer tout ça. Faites des formations gratuites et ensuite, on va les développer. Même si on dit que là-bas, c'est comment le Congolais. Oui, on dit que c'est un voleur, c'est un ceci, c'est la mafia.
Mais justement, c'est en étant en société civile. Si on arrive à faire une société civile, on peut combattre. Le CGT, CGT, là, c'est société civile. La CGT, c'est une société civile. Et c'est cette société civile, justement, qui permet que, quand on met une loi, on n'est pas d'accord, tout le monde sort. Voilà ce que j'avais à dire. Ok, Gora, revenons sur la diaspora. Oui. Parce que, effectivement, moi, j'étais jugé. Trop vite, même. Trop vite, même, parce que, pour moi, tu revenais... Je suis très déçue parce que tu ne m'as même... Bob, tu ne m'as même pas appelé. Moi, j'ai souvenir de toi, on avait pris un verre. Tu te souviens, toi? Oui, mais... C'était au Mercure ou je ne sais plus où, là. C'était au Mercure. Voilà. On avait pris un verre, on avait discuté. Et quand les choses se sont passées, j'aurais voulu... Moi, je n'ai appelé personne parce que même on m'a reproché. Oui, machin. Non, je n'avais pas appelé les gens. Parce que j'ai discuté avec les gens, j'ai fréquenté les gens. On devait m'appeler pour me dire, Gloria, qu'est-ce qui se passe? Mais Gloria, tu comprends que dans le combat que nous menions, on est un groupe de Congolais en sympa. Il y a tellement d'hypocrisie. C'est pour ça que je t'ai présenté mes excuses en direct. Pour moi, d'après les informations, tu es une femme. Tu étais une fille qui sortait de Brazzaville. C'est maintenant que je viens de me découvrir là, en direct, là, devant tout le monde. Quoi, moi, là-bas, Koto, moi, un poteau, tu viens de découvrir Brazzaville. Mais moi, Gloria étant envoyée par Brazzaville, infiltrer la diaspora. Et la voilà qu'elle a fini son travail, elle est repartie chez elle au Congo. C'est pour ça que je me suis permis, un matin, quand j'ai appris, j'ai dit, mais Gloria qui a partagé ce fameux verre que nous avons discuté longtemps. J'ai dit, mais finalement, elle était envoyée, donc je tournais le dos. Gloria pouvait m'empoisonner. Surtout que c'était les périodes où ce qu'on empoisonnait les gens. Et après, je te vois à Brazzaville. J'ai dit, mais ouf! Et là, je viens de découvrir. Quoi, moi, là-bas, Kotoyo. Brazzaville, tu connais pas. Tu viens de découvrir Brazzaville. Je comprends cette joie que tu as eue, parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas le Congo, moi, je l'ai vécu. Je suis reparti, je suis né à Brazzaville, grandi à Brazzaville, je te le dis encore. J'ai fait 20 ans sans repartir au Congo. Je suis rentré au Congo en 2002, je n'ai plus eu envie de revenir en France. J'ai lu les déclarations de ta sœur qui vient d'arriver de Brazzaville. Elle est émerveillée de voir, mais Brazzaville, mais finalement... C'est construit Brazzaville, il y a même des vrais immeubles comme ici. Non, 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 parlons pas de ça parce que nous savons réellement la réalité de Brazzaville. Non, parce que... attends Bob, il faut qu'on arrête. Il faut arrêter la réalité. Toi, tu compares la réalité de Brazzaville avec la France. Moi qui suis presque né ici, qui ai grandi ici, qui ai fait mes études ici, qui travaille ici, qui soit intégré, qui est marié même avec un blanc bec, avec un blanc qui fout la famille des blancs, les noix des blancs. Je n'ai pas envie qu'on parle de ces sujets. Non, attends. Moi qui, machin, je te dis que Brazzaville est construit. Si Brazzaville est construit... Mais non, si je te dis construit, comment nous n'avons pas d'hôpitaux? Vous construisez des maisons. Il y a les hôpitaux. Tu sais, moi je vais te dire un truc. Les gens qui vont là-bas, ils disent médecin. C'est parce qu'ils ne sont pas organisés. Ils n'ont pas m'appeler. Moi je vais leur... Non, je vais leur organiser le truc. Parce qu'il faut faire comme les Maliens et les Sénégalais. Quand quelqu'un dit il vient de France, il a tel diplôme, tu prends, tu appelles à la fac pour vérifier si le diplôme-là est vrai. Hein? Parce que comment est-ce qu'un médecin... Non, pardon, moi ça m'énerve. Ça me met hors de moi. Comment un médecin peut travailler dans des conditions bizarres? Et puis toi, tu es là, tu ne manifestes pas. T'attends seulement qu'on ne te paye pas pour que tu manifestes. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Moi, déjà, je suis que salarié, machin et tout. Bref, nous, quand ça ne va pas au boulot, on se organise. Tu te rends compte? Juste pour la cafetière. Pour une cafetière, on n'avait pas de cafetière, il fallait payer un peu plus. On a dit, si on enlève ça de notre salaire, j'ai convoqué toutes les filles. J'ai convoqué tout le monde, j'ai dit, voilà, vous signez la pétition pour qu'on puisse avoir une cafetière. On a signé la pétition pour avoir une cafetière. Mais combien de fois un médecin, tu arrives, moi au CHU, tu arrives, et puis quand tu vois les gens du CHU, c'est parce qu'eux-mêmes, ils mettent n'importe qui là-bas. Moi, je suis désolée, je le dis. Et j'irai à Brazzaville. Ils mettent n'importe qui. Quand on est allé visiter quelqu'un, je ne dirai pas le nom. La personne marche au ralenti. Attends, quelqu'un est malade, toi tu marches au ralenti. Nous on voit ici, quand tu es malade, tout le monde précipite dans ce train. Moi je me rappelle même pour mon accouchement, la César, on m'a poussé comme ça, on court. Là-bas il marche au ralenti, il a le temps de parler, il a même perdu un papier. C'est même moi qui ai dit, pris le papier pour courir après la personne pour dire qu'elle a perdu le papier. Tu vois plus que ça ne va pas. C'est l'organisation, l'hôpital est là. Donc, le gars, non, moi je n'aime pas le mensonge. Ouais, moi, je n'aime pas les conneries. Je n'aime pas être là et dire, toujours accusé. Le gars a fait le truc. Il y a tout ce qu'il y a. Maintenant, c'est chacun. C'est parce que les Congolais,
il n'est pas patriote. Il n'aime pas son pays. Là, tu as raison, on n'est pas patriote. Il n'aime pas son pays. Ça, c'est vrai. Là, je gars, moi, j'ai vu même à côté de maman. Déjà, tu construis la maison, tu as juste mis un peu de ciment là. Tu dis, moi, de fois, quand tu vois l'eau passe là, j'ai dit, mais attendez. J'ai même sonné chez le voisin, j'ai dit, attendez, vous êtes en train de mettre juste le ciment là. Mais c'est quoi? Vous ne pouvez pas cimenter là où chacun d'entre vous met un peu, puis après, vous cimentez. Non, il met juste son petit truc. C'est l'égocentrique, quoi. Il met juste son petit truc. Parce qu'il veut te montrer que lui, il est arrivé. Mais c'est ce que mais nous vivons lui, à la diaspora, bah oui. Le Congolais, égocentrique, comme il est égocentrique. C'est comme même à la diaspora, les présidents à vie. Les gens disent, ça suit les présidents à vie. Toi-même, tu es président dans ta propre association. Moi, je n'ai jamais vu. Moi, je suis dans les associations. Je n'ai pas pour me vanter. Je suis dans les associations avec les. Tu sais, ça fait que 2 ans ou 3 ans que je connais le milieu congolais. Hein. Avant, je ne fréquentais même pas le milieu congolais parce que on ne me connaît pas dans le milieu congolais. D'ailleurs, si tu vas là-bas, tu te demandes, personne ne me connaît. Parce que moi, je ne fréquente pas les gens, je ne fréquente pas les milieux congolais ou milieux centrafricains. Non, je ne fréquente pas. Moi, je pars du principe où, déjà, si toi-même, tu es président, qui ne te rapporte pas parce qu'on dit monsieur le président, tu es content, tu n'as même pas un salaire, tu n'as rien. Et tu fais les trucs, tu restes président à vie. Tu veux que ça se parte. Mais si toi, tu prends le pouvoir avec l'argent, avec tout, tu feras pire. Puisque tu n'instaures pas la démocratie. Commence par toi-même à installer la démocratie, à vivre démocratiquement, avant de demander à l'autre d'être démocrate. Tu comprends? Voilà. Gloria Benjesson, non, ouf. Non, on va mettre un peu de musique, hein, et puis le temps de faire une petite pause, on va se dire le dernier mot. Je vais mot. Me faire haïr, mais moi je n'ai pas envie de... Non, de toute façon, on n'est pas né pour se faire aimer. Hein, on n'est pas fait pour se faire aimer. Celui qui veut... Et puis on s'en fout, mais complètement, tu dis ce que tu penses. Moi j'adore parce que... C'est la Dimbemba, dis-moi, 342 000 km². Pourquoi tes dirigeants ne sont-ils toujours pas carrés? 4 millions d'habitants et d'espoir d'année. Comprends ça qu'ils s'en foutent de voir l'État, s'en foutent de voir l'État me niquer. Et ça papote lentement depuis des années. Marche pacifique, violemment réprimée. À côté des coups, des commentaires paumés. Du genre Binopé, Moutou Maka, c'est l'équipe. Organisibo, changé, Mboko, Yoboti, Kanabino. Tatawana, Aza, sans pitié. Bolingi, Bogou, Fanabino. Papa, Toko Sala, Isusu Nini, hein? Résignation ou changement de cap, nul ne sait. J'ai crié liberté dans les fenêtres de Brazzaville. On m'a demandé d'aller voir le ciel. Et pendant ce temps, le poule saigne, des femmes accouchent à même le sol sans assistance. Dans les forêts, des gosses meurent et les cols meurent dans le silence de tous les Congolais. Mais qui a sorti les hélicoptères pour bombarder nos terres? Demande à Sido B, cœur à cœur. Démocratie à la Congolaise, plus de 4 millions d'habitants portent atteinte à la sûreté de l'éternel. Mais que veux-tu faire quand le bâton de la justice? Fait moins d'un mètre 60 et les proches des Congolais sointent, mais dans les rues d'un pila, toutes les villes appuient l'argent du pétrole. Le Congo est tout sauf une démocratie, un état policier où tous les jours les spires font des trolls et ça n'a rien de drôle. Mais sur la toile, je vois que tous les zombies friment. Hey, yeah. Hey, Congo, hey, Congo, hey, Congo, hey, Mboke chika mangoko, hey, komina pont, Mboke chika malwango, walmenienga, hey, walmenienga, hey, walmenienga, hey. L'Union africaine pour non-assistance. Je porte plainte. Contre Hollande pour ingérence outragère. Je porte plainte. Contre la communauté internationale pour négligence. Je porte plainte. 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 1960-2017, cela fait 57 ans de misère dans le Congo, du sang et des pleurs. Il y a des morts mais pas de coupables, les bourreaux et les complices sont à table. Ne me parle pas d'Ongada Bassoso, ici les vraies prostituées sont en cravate. Les aspirations du peuple, ils s'apportent et les fric du pays s'emportent. Pas étonnant quand le trésor public se retrouve dans les chambres des ministres. J'ai pas confiance en votre justice, alors ma plainte, je l'enregistre. Le Congo... Tu sais qui a chanté là, ce jeune là? Non. On l'appelle Martial Panucci. Il a 27 ans. Il aura 28 ans cette année. Il est parti du Congo parce qu'il y a un groupe comme ça, celui qui a chanté la SNE, tous ces jeunes. Il y en a même un qui est en prison. On m'en reparlera. Comme je t'ai dit, j'ai pas envie de te mettre dans la politique. Tu n'es pas politique. Tu es de la société civile. En parlant de société civile, en off, tu m'as parlé, tu étais pratiquement en larmes, les projets maliens. Tu l'as dit tout à l'heure, moi j'ai envie que tu expliques, ça c'est la tradition des Bakasso, Olé, pour une fois, voilà quelqu'un qui va s'exprimer,
Explique un tout petit peu ce que tu as vécu avec les Maliens, les Sénégalais, tes projets, et ce que tu peux dire à nos frères et sœurs, parce que tu connais aussi la diaspora. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Je te laisse, et Bakasho, c'est ton émission. C'est ton émission. Ce tu que me tu laisses avais... seule. Non, je te laisse pas seule, je suis à côté. Vas-y. Okay. Ce que j'ai vécu avec les Maliens, là en ce moment, je suis en train de monter en fait un projet. Je suis en train de monter un projet, le financement, pour pouvoir financer justement mon centre que je vais bientôt mettre en place, j'espère, au mois d'août, à Brazzaville, à Wenze 2. Voilà. Non, à Wenze 2. Je suis en train de mettre ça en place et là, je travaille sur un atelier justement avec les Maliens. Et je me rends compte qu'il y a des Maliens qui ont ces projets. Je vous assure que les gars ne parlent pas un mot français, mais ils sont là en train de mettre en place, demander des financements pour qu'on puisse financer des projets, comme par exemple les puits d'eau. Il y a les puits d'eau, l'autre qui est au Cap-Vert, c'est l'hôpital. Hôpital pour les enfants, un peu comme ici, quoi, puisqu'elle s'est mise en relation avec NECAP qui travaille avec les enfants. Et puis, voilà. Écoutez, je n'ai pas de leçon de morale à faire à quiconque. Je pense que chacun a sa vie, chacun a son destin. Je pense que chacun d'entre nous sait. Moi, j'arrive à un âge de 47 ans, j'ai 47 ans. Je pense qu'il me reste peut-être 10 ans ou 20 ans, ou je ne sais pas, avec tous les problèmes que nous sommes confrontés, les cancers de ceci, les cancers de cela, on ne sait pas. Mais je pense qu'il est temps que chacun d'entre nous se pose la question. On est ici à l'étranger. Quoi qu'on dise, je suis française sur les papiers, mais je suis française. Mais je suis quand même à l'étranger. Je pense qu'il faut que chacun d'entre nous se disent qu'est-ce qu'on peut laisser pour les générations futures. On ne peut pas toujours compter sur les autorités. C'est comme nos parents. Nos parents nous donnent, admettons, nous donnent un petit quelque chose. Maintenant, c'est à nous de mettre un plus pour pouvoir améliorer notre vie. Même si on échoue, on ne peut pas dire, oui, j'ai échoué parce que mes parents ne m'ont pas fait ceci, mes parents ne m'ont pas fait. Non, nous sommes, et je le dis, parce qu'au cas où il y a mes collègues qui me regardent, je suis contente d'être en France, je suis contente de vivre en France, je suis bien en France, mais je pense qu'il faut qu'on apporte à notre pays. On doit trouver des solutions pour pouvoir aider notre pays. On doit trouver des solutions pour pouvoir éduquer la civilisation, la population qui est restée sur place. On doit trouver des solutions pour pouvoir mettre de l'eau potable, parce qu'on peut mettre de l'eau potable. Brazzaville, il y a beaucoup d'eau. On est là, il y a de l'eau. J'en suis sûre que si tu creuses ici, il y a de l'eau. Maintenant, il faut faire tout son possible pour pouvoir trouver les financements afin de mettre l'eau potable. Il ne faut pas attendre que ça soit « Oh, Sassou va faire, oh, celui-là va faire, oh, Bouya à manger, oh, Bouya, on s'en fout. » L'argent du pétrole, il faut mettre de côté. Il n'y a pas que le pétrole dans la vie, il y a la terre. Tu es ici en France, tu reprends à César ce qui est à César. L'argent qui est ici, c'est notre argent. Ça nous appartient. Ils prennent ça de notre pétrole. Tu vas, tu récupères. N'attends pas encore, toi aussi, déjà, on nous donne que 30% du pétrole sur les 60 et quelques pourcents. Eux, ils prennent ça pour eux. Toi aussi, tu vas aller gratter sur les 30%. Non, viens prendre les 60 et quelques pourcents qu'ils ont pris ici. Tu prends ça et tu vas mettre là-bas. Tu fais comme font les Aïroises. Moi, un jour, j'étais dans le métro en Belgique. Avec une, elle a mis les pieds. Quand j'ai dit, mais ma soeur, pourquoi tu me dis, c'est avec notre argent. La Belgique est trop petite pour pouvoir être comme il est. C'est avec notre argent. Ce n'est pas du racisme. Je ne suis pas raciste. Je remercie tout le monde, je ne suis pas raciste, mais c'est notre argent. Notre argent se trouve dans la banque, va prendre cet argent. Elle est à toi, tu prends, tu montes ton projet et tu vas chercher l'argent. C'est ton argent. Si tu veux, même si tu me détestes, tu me vas en inbox, je vais te donner l'adresse, comment faire pour aller monter ton dossier pour le projet et on va te le donner. Maintenant, arriver sur place, si on arrive à Brazzaville et qu'on est en train de nous empêcher de pouvoir monter le projet, là, à ce moment, on peut faire du porte apporte au niveau des habitants pour dire voilà, nous sommes de la diaspora, on veut vous aider, on veut pas en se voilà. À ce moment, tu peux créer un soulevant, mais toi, tu es ici en train de marcher, dit soulevant. Moi, j'ai fait les élections, franchement, je me dis, c'est un film, j'ai fait les élections. Ma petite Hidalgo, J'ai fait les élections, même là-bas, j'ai fait les élections législatives. Je ne parle pas le Lingala parce qu'il disait, oui, elle avait son gros français, ok, mais je ne parle pas le Lingala. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu ne parles pas le Lingala, toi? Non, je me débrouille.
Qu'est-ce qui s'est passé? On peut se débrouiller. Le but, c'est les projets. Le but, c'est pas la langue. C'est comme on dit, tu parles pas la langue, c'est, mais tu as tes projets. Les Maliens qui ne parlent pas la langue, ils ont de ces projets que même celui qui parle bien le gros français n'a pas de projet. Alors, tu veux quoi? C'est le projet ou tu veux la langue? On mange la langue? Non, on mange pas la langue, on mange le projet. Voilà, c'est ça le projet. Voilà. Et moi, je me rappelle, parce que moi, je vous vois, hein, vous, la diaspora, en train de dire, oui, soulèvement, soulèvement. Non, j'ai fait les élections. Tous ces gens-là, quand je fais les voyages, je leur apporte des trucs, je fais des trucs, j'organise des trucs. Élections jour... ici au Congo? Non, au Wenze. Ah oui, ah, ici Wenze, aussi, ah. J'avais fait les élections. Ah, ici aussi. Ah, tu étais à l'élection de Wenze. Donc, tu as vu comment les urnes arrivaient? Non, ce n'est pas question de voir les urnes. Il y a une bon, partie. Non, attends, il y a une partie de vrai, il y a une partie. Il y a aussi la population. Là-bas, pour qu'on aille voter pour toi. Moi, je me rappelle, j'étais là chez ma maman. J'étais là, je ne devais pas bouger. Une fois on a voté, on rentre. Il y a des gens, je les entendais dire. Attends, ça c'est, je dis, il faut que tu me donnes 1000 francs pour que j'aille voter. Voter, oui, mais 1000 francs, ouais. Ceux qui ont pessé 1000 francs. Ouais, voilà, ceux qui ont pessé 1000 francs, n'a qu'à voter, na yo. Bien. J'ai dit à maman, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Elle veut que tu leur donnes de l'argent pour aller voter. J'ai dit, ah bon? Ah, parce que toi aussi, tu voulais être prêt. Ah, tu étais candidate? J'étais candidate. Ah, d'accord, ok. Mais j'avais beaucoup de femmes. Mais j'ai vu, le dernier moment, elle voulait leur 1000 francs. Donc, quand vous dites aux gens, soulèvement, tu ne fais rien pour la personne, personne ne va se soulever. Ce n'est pas que les gens aiment Sassou, c'est que personne ne va se soulever. Donc, commence déjà par construire, commence déjà par aider ces gens, commence déjà par développer les choses et arrêter de trouver des excuses. Sassou n'a pas fait, Sassou a fait, Sassou, les Maliens aussi, ils font ici. Moi, je vois, là, samedi, je vais leur demander l'autorisation de filmer en direct et je vais leur parler, dire de parler. Ils n'en parlent pas vos gros français, là. Ils parlent des français bizarres. Même ils n'arrivent même pas à prononcer le mot, mais le gars, il va te dire ton projet, son projet. Toi-même, tu as envie d'aller te coucher. Même moi, avec mon projet de centre, je me cache. Je me dis, non, il faut que je cherche un autre projet. Dans ce cas, je fais d'abord celui-là. Après, je vais aller voir pour voir aussi si moi aussi, je peux faire l'eau potable pour pouvoir donner aux autres. Voilà quoi. C'est ce que j'avais à dire. Ah! Je parle beaucoup. Je pensais qu'avec moi qui avait la. Alors là. Mais là. Je suis opposante. Même si on dit que je suis faux opposante. Parce que pour vous, être opposante, c'est injurier. Moi, on ne m'a pas éduquée pour injurier. Moi, là, ma mère ne nous a dit de ne pas injurier. Mais quand j'ai quelque chose à dire, je te le dis. Clair, clair. Comme disent les Ivoiriens. Clair, clair. Je te le dis. Je dis ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Va pas dans point barre. C'est comme ça. Donc, il y a du monde à poto, petite. Enfin, là, tu n'as rien compris. Non. Bon, c'est pas grave. Ok, petite série de musique, mesdames, mesdemoiselles. Mais ils savent, hein, la majorité de la diaspora, que ce soit les indignés, que ce soit je ne sais pas qui, ils savent que je ne parle pas le lingala. Hein, allez m'insulter en disant. Mais pourquoi ils m'ont dit qu'ils m'ont dit que tu sortais de Brazzaville? Je sors où de Brazzaville? Moi, je suis française. Hein. Eux, ils ne sont même pas mais français. Mais là, c'est là j'en veux un tout petit peu à Marie-France parce qu'elle pouvait me dire qui tu étais. Oui, mais Marie-France ne peut pas te dire ce que je suis. Marie-France était en colère. Vous m'avez insulté. Elle était en colère. C'est tout à fait normal. Non, moi, je t'ai insulté. Marie-France, tu m'as insulté. Tu m'as insulté de pute. Non, je dis non. De prostituée, ouais. Mais prostituée. Moi, même si je suis prostituée, moi, je. Mais pourtant, je les adore, les prostituées. La preuve, je les fais des dédicaces tous les jours. Les Tchoukoumès, Tchoukoumès, bonsoir. Et ma vraie Tchoukoumès, c'est non. Il y en a des vraies prostituées, des fausses prostituées. Et alors, heureusement qu'il y a des prostituées. Heureusement, sinon, on allait être violé n'importe comment. Heureusement qu'il y a des prostituées. Parce que quand l'homme a envie, il est pressé, il va, il trouve. Hein, mais sinon, on allait être violé. Ah, mais c'est 5000 au Congo, tu ne trouves pas que c'est moins cher? J'en sais rien, moi. Vous faites ce que vous voulez. Mais voilà. Bon, il n'y a pas de souci. Mais une chose est sûre. Mais je sens que moi, je tiens à dire. Non, moi, je tiens à dire à l'opposition que moi, je ne suis pas une vendue. Moi, j'ai une grande. Tu regardes bien ma bouche. Tu as vu ma bouche. Comme je dis, tu as vu ma bouche. C'est double cheese de chez McDonald's. Ça veut dire ça parle. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, je le dis. Je n'ai rien à cacher. Hein? Et si j'ai envie d'être à la mouvance, d'ailleurs, je le dis bien le jour. Attends, mets-moi mets bien le truc là. Sinon, je vais te facturer plus cher, toi. Que je sois à la mouvance, je décide de là où j'ai envie d'être. Le jour où je vais décider d'aller à la mouvance, c'est moi-même qui va prendre la photo. Je vais te demander. J'ai dit, montre-moi la personne. Je vais aller prendre la photo. Je vais bon, pour le moment, tu es à la mouvance ou tu es encore... Non, je ne suis pas à la mouvance. D'accord. Okay. Je suis neutre.
Je suis comme Patrick Yoka, je suis neutre. Tu veux pas venir, bon, on en parle. Non, je peux plus être à l'opposition. Moi, je peux pas aller marcher avec des gens comme ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas des gens. Bah, est-ce que toi et moi, on peut construire quelque chose? On peut construire. Oui, on peut construire. Mais moi, je ne peux pas aller marcher avec des gens comme ça, ça, c'est pas des gens. On va arrêter, c'est une fille intelligente. Attends, des gens à qui j'ai fait des... Comment on appelle? J'ai fait quand même des trucs. Bon, tu vas en parler tout à l'heure, tu vas en parler tout à l'heure. On les laisse écouter la musique. Massou. Ah, ça c'est pour nous, là. On écoute la musique. On va boire de l'eau. Calling out to you.
Oya ko boya akolinga yo mijo. Oya ko sima akolanga yo mijo. Etumbo oya banta siya la mulo. Mama mi nalewa o mama. Mama na kokupa o mama. Lingambonda, Banamer, bonsoir. Produit par l'ordinateur. Ah, t'es haut, oh, ok, elle est mieux. Ouais. Écoutez ça. Ça va détendre l'atmosphère parce que. Eh oui, mon invité, ce soir, vous savez que chez vous, ça se passe en train de bien. Vous savez qu'il va tâcher ses émissions. Voilà la Gloria que j'ai insultée, que j'ai traitée de tous les noms. Eh bien, elle est là aujourd'hui, en vous conseillant. Et je pense que dans la vie, apprenons à nous connaître. En parlant de ça, je parle de l'art à palabre. Valentin, je vous avais trouvé qu'il m'a fait des articles à passer, mais dès qu'on s'est vu, Valentin, merci, bravo. Et pourtant, j'ai passé ma vie à l'insulter. Et en 2018, Tommy Fou m'a esprit. Ça ne marchera pas pour les gens. Allons, encore une fois, tout le monde. Allez, approche. Moi, j'aime l'autre. Même si je ne comprends pas. Regarde, un tout petit peu compliqué. Revenons encore sur la diaspora. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Gloria, je t'ai vu des affiches, je t'ai vu dans des voitures, je t'ai vu en train de coller. Et il y avait Sadio Kanté, il y avait Agnès Onounou, vous étiez un groupe de femmes. Non, Agnès Onounou, en fait Agnès Onounou, je ne l'ai pas connue dans la diaspora. Agnès Onounou nous a appelés suite au projet de Café Citoyen. Elle a voulu que je participe au Café Citoyen, avec ma grande sœur d'ailleurs, dans le but du vivre ensemble. Voilà, c'est là où on s'est connus. Mais Sadio, tu sais Bob, de toute façon j'allais finir par quitter la diaspora parce que je n'ai jamais vu une organisation désorganisée. Je n'ai jamais vu des gens qui passent leur temps. Moi je n'avais pas compris pourquoi est-ce qu'on me harcelait comme ça, pourquoi est-ce qu'on me disait oui, je connais Madame Sassou. Moi je ne connais pas Madame Sassou, elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. Hein? Et si je connaissais Madame Sassou, je ne sais pas, je ne connais pas. Et ce qui était bizarre, c'est qu'ils étaient là en train de me harceler parce que j'étais dans l'organisation. Parce que je voulais, j'aime que ça soit méthodique. Moi, j'aime appliquer ce que j'ai appris à l'école. Quand tu apprends, tu appliques. J'aime appliquer ce que j'ai appris dans les formations. J'aime appliquer, voilà, j'aime quand c'est bien organisé, bien méthodiquement. Chacun doit être ceci, chacun doit faire ceci, chacun. Non, tu fais tout le machin. Et arrivé, tu vois que l'autre veut. Non, mais moi j'ai compris après. J'ai compris après parce qu'en fait, chacun travaille pour soi, pour son ventre, pour se faire remarquer. Comme ça, on le voit, on dit qu'un tel est ceci. Moi, j'en ai rien à foutre, vulgairement parlant. Comme excuse, les enfants, surtout mes enfants qui sont en ligne, qui me regardent, je demande pardon parce que maman est en train de dire des gros mots, c'est pas bon. Mais
politiquement, il faut dire. Parce que moi, j'aime bien Mélenchon parce qu'il parle. Il parle un français. Ah oui, moi aussi, voilà. J'adore Mélenchon. Moi, j'adore. Voilà. Et je vais emprunter un peu de son Mélenchon. Je sais que ce n'est pas bien pour une fille. Mais j'en ai rien à foutre de pouvoir dire que oui, un tel. Parce que même si leur gouvernement me prend, je dirai toujours quelque chose. Parce que mon problème, c'est que je dis ce que je vois. Quand ça ne va pas, je dis. Tu sais, tu vas à l'école, tu as fait des formations, tu travailles, il y a des procédures, toutes les procédures. Tout se marche, il y a une procédure, tu mets la procédure en place. Moi, je ne sais pas aujourd'hui, demain, non, ça, je ne sais pas faire. C'est pour ça que quoi qu'on en dise, on ne peut pas travailler avec moi, parce que si tu veux travailler avec moi, il faut mettre les procédures. On met les procédures, on est tranquille. Moi, la diaspora, je vais te dire une chose, la diaspora, moi, j'ai sorti mon argent pour la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, ils t'ont dit, ou je ne sais pas ce qu'ils ont dit, que je me suis prostituée. Si je me suis prostituée, ou si Kiki m'a fait l'amour pour me donner de l'argent, c'est cet argent qui a financé une partie du congrès. Parce que si tu dis que Kiki m'a couché, c'est que moi, je parle aux indignés. C'est quoi cette histoire que Kiki, parce Kiki qu'on a couché oui, avec toi c'est, je ne sais pas, j'ai vu sur le mail, oui, je suis allée, je sors avec Kiki, Kiki, il est marié. Kiki, moi, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je suis allée voir ma maman qui est assez vieille. Je suis allée voir ma maman et puis moi, je cours. Mais aujourd'hui, j'ai pris du poids parce que je ne cours plus. J'ai été blessée au genou. Je ne cours plus, mais sinon, ici même, je suis mais dans pourquoi un... Tu as quoi avec ton problème de poids? Tu es bien? Non, moi, je suis bien. Les hommes aiment bien les grosses. Bon, voilà. Moi, je suis donc, bien. Donc, voilà. Avec ton non, je de suis poids, non, parce que tu l'as répété trois fois de la soirée. Oui, mais d'accord, mais attends. Écoute, je fais du marathon. Je ne sais pas, j'ai fait le marathon de Paris. Je fais les semi-marathons. Je suis dans un club. Ah, donc, ils ont ça l'appelle marathon? Oui, moi, je fais les marathons. Yo. Je fais les marathons. Je fais les semi-marathons de Paris. Là, j'ai repris. Je vais faire le semi-marathon de Brazzaville. Que ce soit Sassou qui donne les médailles ou pas donne les médailles, j'en ai rien à foutre. Je fais du sport. Moi, je suis sportive. J'aime le sport. Et c'est comme ça. Et j'attends quiconque viendra me reprocher. En tout cas, je tiens aussi à dire à quiconque, c'est que, contrairement à vous, moi, quand je suis ici, j'étais ici en France, il n'y avait pas de noirs. Quand tu rentrais dans un supermarché, c'était des blancs qui surveillaient. On te suivait comme si tu étais une voleuse. J'ai milité pour SOS raciste. Hein? J'allais me barricader et machin. Aujourd'hui, il y a plein de noirs partout, de n'importe comment. Vous êtes venus gâter le coin, comme disent les trucs, à faire n'importe quoi. On est même vu bizarrement. Et... Ah non, regarde, on est dans un 5 étoiles, on est venu, on nous a respectés. Oui, on nous a respectés parce que, bon, le vigile aussi, c'est un noir. Oui. Voilà. Avant, il n'y avait pas de noir. Moi, je parle, non, mais franchement, dans les années 70, il n'y avait pas de noir. Il n'y avait pas de noir, on était des seuls noirs, on était deux ou trois noirs, c'était rare. Alors donc, je vous dis tout de suite que j'ai peut-être changé, mais je garde le côté opposition. Ça veut dire que je m'oppose. Mais pas des oppositions bizarres où je vais aller me mettre dans des immeubles en train d'insulter les gens. En plus, moi, le jour où ils ont fait leur réunion, les trucs là, parce que vous allez vous mettre dans les immeubles. Là, tu parles de qui? D'indignés. Des indignés. Vous allez vous mettre dans les donc immeubles. Donc, c'est toi qui as créé, qui a financé leur congrès? Non, j'ai pas créé. J'ai une partie, les affiches. Je le dis. Les affiches, c'est moi qui ai payé. Les affiches, c'est ça. Est-ce qu'ils t'ont appelé pour te dire merci? Non. Votre banderole que vous avez mis, c'est moi qui ai payé. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si vous me reprochez d'avoir couché ou d'avoir pris l'argent de Sassou, dans ce cas, c'est avec cet argent bon, est-ce que moi tu as j'ai pris financé. L'argent de Sassou, franchement. Je ne connais même pas Sassou. Oh Seigneur, je ne connais même pas. Moi, je ne. Braza, tu sais. Est-ce que tu as couché avec Kiki? J'ai pas couché. Tu sais, bon, tu sais même comment il s'appelle. Mais tu n'as jamais vu Kiki ni Sassou. Non, moi, je ne les connais ça, pas. Ça, je savais. Non, mais attends, non, tu ça, sais. Je savais. Tu sais, Bob, eux, ils se disent. Des soi-disant journalistes, surtout Aristide Mobebi. Moi, je le dis. Aristide Mobebi, il dit le journaliste, le machin. Ça, comment bon. Un journaliste, un Brazzaville? Brazzaville, c'est petit. C'est petit. Même là où j'habite, c'est plus grand que Brazzaville. Tu n'as même pas pu avoir une photo de moi à côté de Kiki. Tu n'as même plus. Même pas plus. Ça, c'est pas journaliste. Donc, c'est Aristide qui t'a accusé. Enfin, c'est mon petit frère. Aristide. Mais Aristide m'a accusé aussi. Aristide, moi j'ai invité Aristide à manger avec nous, on était tous ensemble, on était machin, on a discuté. Après il a tourné sa veste, il commence aussi à me dire que moi aussi, non, il faut arrêter. Il n'y a que Marc Mapingu, il n'y a que Marc Mapingu qui m'a soutenu. Marc Mapingu,
m'a analysé, comme on a eu à discuter, on discutait souvent ensemble, quand j'avais des trucs, je voulais faire des choses, dire oui, pour mon coco, je voudrais faire ceci, il me faut des t-shirts, j'ai besoin de financement. Marc a financé. Marc était là, il me dit, c'est des bonnes idées et tout, et il finançait pour mon coco, puisqu'il était pour mon coco. C'est le porte-parole de mon coco voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Mais il est toujours porte-parole de mon coco. Voilà. Avec lui, vas-y. Lui, il m'a soutenu. Mais sinon, tous les autres qui m'ont insulté de pute, de je ne sais pas quoi, moi, Kiki, je ne connais ni d'Adam ni de Ève. Voilà. Mais je tiens à dire que moi, je suis une opposante. Je ne suis pas une opposante Zoba Zoba. Ça, mais on a la même histoire. Moi aussi, on m'a dit que j'ai touché 500 euros, que Sassou m'a payé dans mais un c'est quoi, c'est quoi 500 euros, bordel vraiment. C'est quoi 500 euros? Mon Dieu, même mes mèches, c'est plus que 500 euros. C'est quoi 500 euros? Ça veut dire que vous galérez tellement que 500 euros pour vous, c'est beaucoup. Faut qu'on arrête. C'est quoi 500 euros? C'est une insulte. Quand on dit tu as touché ça, c'est quoi 500 euros? Hein, tu ne travailles pas. Moi, je travaille chez un bailleur social. Je travaille dans un truc d'achat. Je travaille. C'est quoi 500 euros? Le jour où je quitterai l'opposition pour me mettre avec la mouvance, ça veut dire que le gars m'a payé un appartement dans le 16e. Parce que moi, je ne suis pas n'importe qui. C'est que tu me donnes ou je te dis je veux tant. Ok. Mais dire 500 euros. Et puis même, le projet des indignés. Parce que moi, je parle pour les indignés. Parce qu'avec leur connerie de vidéo, oui, ça sous ceci, il y a des étudiants. Parce que j'ai vu Guy Mafimba écrire quelque part, oui, les étudiants, oui, ceci, cela. Mais il y a nos sœurs ou nos enfants qui sont étudiants, qui sont quelque part. Vous allez présenter des appartements. Putain, mais sois un homme! Casse l'appartement et mets les étudiants dedans. Quand tu casses l'appartement, tu mets les étudiants dedans. Hein? C'est quoi ça présenté? Oui, ça c'est avec l'argent des Congolais. Mais si c'est vraiment l'argent des Congolais, moi je te défie. Montre-moi le truc, l'argent des Congolais. Je vais te montrer ce que moi je faisais quand j'avais 18 ans ici en France. Hein? J'ai eu du mal à avoir ma naturalisation, que Dieu m'instaure. Même ma grande soeur peut témoigner. Parce que j'avais un casier, parce que je me bagarrais avec les flics à cause des Africains. Parce que quand ils faisaient leur truc là, à barricader les Noirs, à barricader des Noirs là, à dire contrôle d'identité, mais je me mêlais dedans. Hein? Alors si tu es un homme, si vous êtes des hommes, cassez-moi les appartements, puisque ce sont les appartements des Congolais. Vous cassez, vous me foutez des jeunes, des étudiants là-dedans, au lieu qu'elles aillent se prostituer ou dormir n'importe comment. Vous les mettez dedans et elles restent dedans. Hein? Que d'emmerder les gens à dire, oui, peuple congolais, ceci ou cela ou cela ou ceci. Hein? Et je suis prête, je vous attends. Moi j'attends et venez me frapper et on va voir. En tout cas, on va voir. Je connais la présidente de Ni Pute Ni Soumise. Vous allez voir c'est quoi. Venez me taper, nous allons voir. Parce que j'en ai marre, on en a marre des conneries. Vous faites des trucs, c'est des conneries. On ne peut même pas aller trouver de communauté internationale. On ne peut même pas aller dire quoi que ce soit. Vous êtes là-haut, peuple congolais, Azali, c'est avec l'argent des Congolais. Mais c'est avec l'argent des Congolais. Vous savez qu'il y a des gamins, il y a nos enfants qui sont dehors, qui ne sont pas logés. Si c'est l'argent des Congolais, je vous défie, cassez-moi la maison. Et mettez-moi les jeunes étudiants là-dedans. Que ces jeunes puissent dormir là. Hein? Que de raconter des conneries, de être là juste montrer. Et puis on va dire c'est les indignés. Non, moi je vais te défier. Hein? Moi j'ai eu du mal à avoir la nationalité parce que je défiais les gens. J'avais un casier judiciaire grand jusqu'à ma grande sœur est là. Hein? J'avais un casier judiciaire pour en dire on ne me donne pas la nationalité. Il a fallu prendre un avocat pour débattre pour pouvoir avoir la nationalité. Hein? Parce que j'étais militante. Et quand on dit militante, quand je voyais un policier faire vos contrôles d'identité bizarres, là, comme si on se trouvait dans un film de Scarface, hein, comme si tu es un trafiquant de drogue, tu prends le noir, tu le carrément, moi-même je viens, je damne. On me dit, j'ai dit, je m'en fous, ça me traumatise, je suis trop sensée, ça me traumatise. On m'emmène au tribunal. Il m'a fallu des années pour qu'on puisse effacer mon dossier. Hein. Et vous vous dites, moi le jour du corps, avant votre réunion, je vous ai dit quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit au lieu d'aller se pointer comme ça, vous cassez les maisons. Comme tu as dit que c'est l'argent des Congolais, puisque moi c'est ce que vous dites, c'est l'argent des Congolais. Comme c'est l'argent des Congolais, tu me casses ça, tu mets les étudiants. Comme ça, ils vont pouvoir squatter là et pouvoir se reposer et faire leurs études tranquillement. Hein? Arrêtez d'emmerder, arrêtez d'amuser la galerie avec vos conneries, au machin, au ceci, au cela. Je suis là, je vous attends. Hein? J'attends et puis on va voir. En tout cas, alors, avant qu'on rentre dans notre série de musique, qu'est-ce que... je vais te poser une question aussi simple. On va revenir
sur Brazzaville. Ah, Brazzaville. Tes meilleurs moments et tes moments les plus difficiles. Déjà, commençons par les moments les plus difficiles. Les moments les plus difficiles, ça a été l'eau. Ah, tu es revenu quand je t'ai dit. Non, l'eau, oui. ça veut dire qu'il n'y a pas l'eau chaude. Ah. Tu vois, il y a l'eau, mais il n'y a pas l'eau chaude. Il faut chauffer l'eau. Tu vas être obligé de chauffer l'eau pour pouvoir faire l'eau chaude. Mais sinon, tu vas aux toilettes, tu fais ton caca, tu appuies. Tu as tes toilettes normales comme ici, tu fais comme ici. Mais c'est pas les toilettes où c'est les serpents sortent non, là. Non, c'est chez ma maman, il n'y a pas de serpents. Quel serpent? Toi aussi, Bob. Mais les serpents rentrent dans les canalisations. Non. Même ici, il y a des serpents. Hey, vous là, mais vraiment. Ici aussi, il y a des serpents. Les blancs qui élèvent les serpents, ils jettent même dans les toilettes. Et après, ensuite, on voit les serpents apparaître. Mais ça, c'est quoi ça? Faut qu'on arrête les complexes. De vouloir se complexer, de vouloir dire que nous, en tant que. Mais c'est quoi? Comment veux-tu qu'un blanc nous respecte que si nous-mêmes, on est là en train de dénigrer notre propre pays? Mais tu sais, moi, avant même de connaître Brazzaville, je n'ai jamais laissé quelqu'un me dénigrer Brazzaville. Je ne savais pas comment c'était. Même quand quelqu'un me disait, oui, j'étais, je ne sais pas quoi, je n'avais pas le temps de le laisser me dénigrer. Tu vois, il faut qu'on arrête. Ici aussi, tu peux. Là, tu peux aller aux toilettes. Tu es aux toilettes, tu es assis, un serpent peut arriver. Parce qu'un tel qui est en haut a élevé le serpent, il ne veut plus du serpent, il jette le serpent. Il rentre par les canalisations. Canalisation. Il faut qu'on arrête. Et tes meilleurs moments? Ah, moi c'est Wilkie. Ah, ben je vais te mettre Wilkie tout à l'heure. Non, quand je suis allée à Bakongo, c'est bien. Bakongo, il y a la fête comme Parle-nous de son séjour à Bakongo. Bakongo. C'est ton émission, hein? J'ai bien aimé Bakongo. Mon grand frère, il m'a emmené dans les boîtes et tout. Il s'appelle ton grand frère? Je ne vais pas dire son nom. André, il est en ligne, là. Il y a tellement de tout le monde est en ligne. Toute ma famille est en ligne, mais je ne vais pas dire son nom parce que comme il a déjà vécu des moments difficiles, il est aussi dans la politique comme nous, en train de critiquer comme il peut, et lui, il est sur place. Alors, vous ne pas il est dire... ici en France? Non, il est là-bas. Ah, d'accord, mais on parle. Ah, il ne faut jamais parler des gens qui sont là-bas. Il est là-bas, je préfère. Alors, si tu as un message à transmettre à ta famille maintenant, qu'est-ce que tu peux dire à ta famille? À ma famille? Ben, tu peux leur dire que tu les aimes, c'est tout. Non, d'abord, je voudrais m'excuser auprès de ma famille parce que je ne suis pas simple. Ouais. Je ne suis pas simple. Surtout ma maman, on lui a fait très peur quand on allait manifester, insulter Sassou et tout. Et quand on est passé sur Brazzanous, mes neveux, même mon neveu qui a la faculté, qu'on sache, j'ai un neveu qui a la faculté Marion Gwabi. Alors quand vous racontez vos conneries, je suis au courant. Vous me fatiguez avec vos conneries. Voilà. Et puis j'ai aussi mis une de mes belles-sœurs qui travaille à l'hôpital. Au CHU. Alors, quand vous racontez vos conneries, même ma soeur qui est médecin aussi au CHU, quand vous racontez vos conneries, vous me fatiguez avec vos conneries. Parce que nous sommes 20 au total dans la famille. Le même père, on est 20. On est 20. Belle famille. Oui, bravo. Bravo, monsieur Itunza. Ils sont un peu partout. Alors, quand vous racontez vos conneries, vous me fatiguez. Voilà. Mais je voudrais surtout m'excuser auprès de ma famille. Surtout mes frères, mes sœurs qui sont toujours effrayés. Ils ont peur. Ils voudraient que j'ai une vie stable. T'es stable là, on est bien là. Quand on te laisse tranquille, tu es bien comme ça. Non, ils voudraient que j'ai une vie stable, ils ont peur. C'est comme là quand je m'étais présentée aux élections, aïe aïe aïe, ils ont eu peur et tout. On me dit oui, si on vient te donner de l'argent, tu fais que j'ai dit je prends et je me sers pour aider la population. Bien. Voilà, et je tiens à le dire, franchement, excusez-moi la famille, mais et je pense que c'est ma nature. Bon, et tes amis et tes ennemis, qu'est-ce que tu peux leur dire? D'abord à tes ennemis. Mes ennemis, ce que je voudrais leur dire, c'est que j'en ai rien à foutre. Je dors tranquillement, je mange, la preuve, hein, le vin blanc m'a même pris un peu de poids. Je bois bien, je vis bien, je ne pense pas. Et à tes amis? Et à mes amis, je voudrais d'abord leur remercier parce que franchement, c'est grâce à elles. Quand je fais, j'ai mes sacs que je fais, mes copines, j'ai des sacs là pour la sauce. Hein, pour qu'une association puisse fonctionner, il faut le faire travailler en forme d'entreprise puisque j'ai l'intention aussi d'avoir des salariés. Et il faut vraiment, vraiment acheter. Je sais que mes collègues participent énormément à financer l'association. Je vous remercie en tout cas de me soutenir, c'est très gentil. Voilà. Et puis à Bob, je te remercie de m'avoir invité.
Non. J'ai refusé des invitations, refusé d'aller parler. Tu sais, moi j'ai toujours dit une chose. Effectivement, j'étais pris de court. C'est quelqu'un qui, la dernière fois... Ou c'est toi qui as posté... C'est comme mon passage. Je sais plus. Comment ça s'est passé déjà? Comment on s'est retrouvés tous les deux? Je sais plus. Non, ah oui, j'ai vu, j'étais en direct, tu m'as dit c'est quand mon tour. Effectivement, j'ai t'appelé le lendemain et puis voilà. Et on s'est retrouvés 5 jours après, Gloria. Moi qui t'ai insulté, moi qui t'ai traité de prostituée. Mais je me rends compte, ça fait 4 heures que nous sommes ensemble. Mais tu vois que nous venons de construire une grande famille. Ne change pas, reste comme tu es. Ah non, je pense qu'à 47 ans, on ne peut plus changer. Yo, on vous bangue. On ne peut plus changer. Écoute ça. Non, mais non. Wilkin. Ah, Wilkin. Est-ce que je peux retrouver Wilkin dedans? Ouais, voilà, si. Wilkin, je suis sur la croix. Ah, c'est marrant, au nord, c'est Jésus sur la croix. Jésus, machin. Et au sud, c'est Wilkin. Moi, attends, non, je dois l'avoir dans ces collections-là, parce que tu sais, heureusement que nous avons les chinois qui nous ont permis de se déplacer. Justement, c'est ce que je voulais dire aussi pour Boukadja, là, qui est parti critiquer les Chinois. Non, écoute-moi le truc, là. Boukadja qui est parti critiquer les Chinois. Hein? Si c'était pas les Chinois. Boukadja a critiqué les Chinois. Oui, il est parti critiquer les Chinois aux États-Unis. Aux États-Unis. Il voulait l'aide des Américains, il a critiqué les Chinois. D'après ce que j'ai lu, d'après ce qui a été traduit. Moi, je tiens à lui dire, si c'est pas les Chinois. Là, je suis pas dedans. Là, il faut pas être dedans. Moi-même, je prends mes responsabilités. Si c'était pas les Chinois, les marmites que j'ai vues là-bas, là, comme eux-mêmes ils disent, là, ils allaient avoir ça. Il faut quand même réfléchir. Hein, comme a dit Gbagbo, c'est Gbagbo, hein, comme a dit Gbagbo. Hein, il faut laisser aussi les Chinois parce que l'Afrique doit se développer. Les histoires des Blancs, là, les Tefal, ça coûte cher. Même moi qui travaille, qui gagne assez d'argent pour payer un Tefal, même plusieurs Tefal, c'est difficile. Il faut payer ça en plusieurs fois. Hein. Mais combien de fois ceux qui sont là-bas, les marmites chinoises, hein, les marmites qu'on achète chez les Chinois, les verres, les couteaux, les machins, il faut aussi laisser que chacun d'entre nous puisse gagner un peu. Tu vas critiquer les Chinois en disant que les Chinois sont en train d'envahir. Mais heureusement que les Chinois ont envahi. Hein? Mais quand c'était les Français, là, est-ce que le chemin de fer a pu être construit? Même si on dit qu'aujourd'hui, oui, voilà, il y a eu les roseaux de je ne sais plus quoi là. Hein? Mais est-ce qu'avant, on avait même une route? Hein? Les Français ont pris les marchés, même le téléphone. Aujourd'hui, vous ne vous payez pas cher. Nous, on paye. Quand on appelle l'Afrique, on paye cher. Vous, quand vous payez, avec 1000 francs, vous pouvez appeler. Hein? Il faut aussi arrêter. Vous demandez aux Américains de chasser les Chinois de l'Afrique. Hein? Vous avoir pitié de l'Afrique. C'est quoi ça? Tu veux chasser, pourquoi on ramène les produits américains? Tu sais combien ça coûte un produit américain? J'ai mal à la tête. Hein? Faut avoir pitié des gens. Est-ce que ce gars est même allé en Afrique pour voir les conditions de la femme? Hein? Pour dire que oui, il faut chasser les Chinois de là. Hein? Aujourd'hui même, tu peux même avoir une note correcte. Même si tu n'as pas grand-chose, tu peux même avoir un téléphone. Les téléphones, là, c'est chinois. Tu sais combien ça coûte un portable ici? Un portable fait je ne sais pas où. Hein? Il faut qu'on arrête. Il faut vraiment arrêter. Hein? On doit arrêter. Ça suffit. Hein? Arrêter. Et puis, je tiens à dire à Boukadja, attends. Il ne faut pas t'en mêler. Sinon, en fait, ça va te revenir dessus. Moi, j'ai dit répondant. Moi, j'ai déjà assez parlé. Mais moi, je veux dire à Boukadja. Moi, je veux dire à Boukadja qu'il va solliciter les Américains. Le Congo appartient à la France. Que tu le veuilles ou non, le Congo, c'est la France. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter vos bêtises de dire que Boukadja, ceci, oui, je vais solliciter les Américains. Tu vas solliciter les Américains sans la France? Mais ça, c'est du n'importe quoi. Si Bolloré, même ceux qui disent que oui, Sassou veut me tuer. Mais si Bolloré, si Sassou dit à Bolloré, moi, je ne veux pas voir ces négros ici, là. On va t'expulser. Tu crois que quoi? Hein? Tu arrives à trouver du boulot facilement ici en France? Les Blancs, ils n'en ont rien à foutre de nous. Il faut bien te le dire. Ta couleur de peau, on n'en veut pas. Alors, dans ce cas, il faut laisser l'Afrique tranquille. Si tu n'es pas capable d'apporter quelque chose à l'Afrique, tu te tais. Tu vas chercher tes trucs. Hein? C'est quoi ces conneries? J'ai lu ça, j'ai dit, mais lui là, il parle de quoi? Mais est-ce qu'il comprend ce que les Chinois apportent? Même le port là, même si c'est comment, même si demain ça s'effondre, moi c'est un port. Hein? Quand on a donné les marchés aux Français, ils ont fait quoi? Qu'est-ce que les Français ont fait? Moi, je suis mariée avec un Français. Hein? Ils ont fait quoi les Français?
quand je l'entends parler, ils font quoi? Il faut aussi arrêter. Hein? Il faut aussi arrêter. Je parle, Tom Melvin, je parle de Boukadja si je veux. Je suis en France, je suis en démocratie. Si tu n'es pas content, je t'attends. Je t'attends, on va en discuter. Quoi? Parce qu'il veut moi, quoi, je suis prête à t'attendre pour discuter. Il dit et si quoi? Tu veux qu'on il se dit castelle, quoi, Tom Melvin? Je suis prêt. C'est quoi? Si je veux parler Boukadja, il est qui Boukadja? Hein? Un demi-portion comme ça, il est qui? Quand tu appelles ça un attends, homme. Attends, il a dit quoi, bébé? Remets le truc, il attends, a dit quoi? Attends, voilà, attends. Qui vient de s'exprimer. Oui, tu dois arrêter de nous machin avec Boukadja. Mais Boukadja, qu'est-ce que j'en mais ai appris Tom, de mais Melvin, tu sais pas que c'est moi qui ai sorti Boukadja? Laisse-la s'exprimer. Hein? Tom, quand t'as dit comme Boukadja, t'es où? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est un gamin, c'est un pauvre, c'est un gamin. Ne le réponds même pas. C'est un gamin. Moi, je le dis, Tom, tu viens me voir, tu as un gamin. Pour moi, tu as un gamin. Tu connais quoi? Elle dit des bêtises, je dis quelle bêtise. Il va voir les Américains. Nous, on appartient à la France. Que tu sois. Bon, non, laisse-moi le. Nous, on appartient à la France. Je vais répondre à Tom tout à l'heure. Hein? Je vais mais le répondre. Mais raconte quoi? Mais c'est un gamin, qu'est-ce que tu vas aller t'emmerder avec un gamin? Je vais le répondre tout à l'heure. Il Tom, perd son temps. En fait, ces gamins ils ne sont même pas cultivés. Vous ne connaissez même pas la France-Afrique. Commencez déjà par vous cultiver. Repartez à l'école. Cultivez-vous. Nous, on appartient à la France. Tu vas monter, tu descends, on est en France, on appartient à la France. Si Macron veut dire ou quoi que ce soit. Moi, tu es un gamin. Moi, j'ai 47 ans. Ça, et tu es un gamin. Il dit, je suis ton gamin. Oui, tu es mon gamin. Tu es un petit. Pour moi, tu es un petit. Hein? Tu es un petit. Tu ne connais rien. Nous appartenons à la France. La France, Afrique. C'est nous, on appartient à la France. Sarkozy avait même tué Kadhafi. Parce qu'il voulait mettre la monnaie africaine. C'est pour ça qu'on l'a tué. Et toi, tu vas me dire quoi, Boukadja? Katouka, enlève-moi des trucs comme ça. Il faut m'enlever, je n'ai pas le temps à perdre avec des enfants. Hein? Des enfants, même un enfant de 4 ans sait tout ça. Hein? C'est un petit, c'est des petits. Mets la musique, là. Mets la musique, c'est des petits. Hein? Et c'est ça, là. C'est avec ça, là, que tu vas aller faire l'opposition. Au lieu de passer, je te mets ça. J'adore. C'est ton émission. Mais je vais le non, mais tu peux le repousser. On est des esclaves, pauvres types, va. On est des esclaves. Tu crois que quoi? Tu es libre, toi? Tu es libre? Est-ce que tu peux aller chercher un travail? On va te donner. Tu peux être directeur quelque part. J'ai essayé de postuler. Tu peux être directeur. Même si tu as les maîtrises, tu vois quoi que ce soit, tu restes esclave. On ne veut pas de nous. Il faut que tu le saches. Hein? Wow, mon pauvre. Tu sais comment il s'appelle? Malcolm X a dit. Malcolm X a dit, il faut savoir parler le langage de l'homme blanc. Si tu ne sais pas parler le langage de l'homme blanc, tu vas rester un con. Moi, c'est ce que je te dis. En tant que grande sœur, Tom, il faut que tu changes. Je ne pense pas que tu puisses être un leader, mais nous sommes des esclaves. Toi, est-ce que tu vois beaucoup de noirs dans je ne sais pas quoi? Laisse-moi. Franchement, je suis très déçu. Des mentalités bizarres. C'est comme ça que l'opposition n'a jamais avancé parce que nous avons une mentalité bizarre. Si tu n'es pas cultivé, tu ne peux pas le savoir. Il faut être cultivé. Il faut revoir ta culture. Hein? Boukadja ne va rien obtenir. Et votre truc international. Parce que quand on dit international, quand tu dis truc international, l'international c'est quoi? L'international c'est quoi? Ceci, le PCT, c'est tout le monde. C'est quoi l'international? Non, mon petit, c'est toi le pauvre, pas moi. Moi, j'ai un très bon job. Entre toi et moi, j'ai un très bon job. Je veux que tu me montres ton job. Tu n'as pas un bon job. Donc, arrête. Faut arrêter. Faut qu'on arrête. Moi, j'ai un bon job. Moi, je sais où je bosse. J'ai un bon job et je vois leur comportement. Je ne pense que tu n'as pas ce comportement. Alors, il faut arrêter. Faut arrêter. On n'a pas le temps. Il faut que mettre des choses en place. Tu dois mettre des choses en place. Nous sommes encore dans l'esclavagisme. Je suis désolé, nous ne sommes pas encore libres. Si on était libre, tu dis oui. Si on était libre, c'est parce que je suis cultivé que je sais que je ne suis pas libre. C'est parce que je ne suis pas laisse. Non, moi, je n'ai pas le temps de te parler. Il faut vraiment m'excuser. On n'a pas le temps. Hein? Tu verras avec quelqu'un d'autre. Oui, je laisse.
parce que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il faut arrêter. Non, merci ma belle. Merci ma belle, tu as raison. Parce que toi, tu connais les réalités. Il y a une réalité ici. Tu crois que quoi? Combien de directeurs il y a ici en France qu'on peut dire, lui, c'est un noir, hein? Il y en a combien? Alors, faut arrêter. Bon, mais écoute, je pense que, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons passé une superbe émission. J'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai l'intention. J'attends les reproches. Et je même Tom Melvin, lui aussi. Attends, même Tom Melvin. Tom Melvin, son problème, c'est Kiki. Quand il a appris comme quoi que je devais aller courir un truc là, je ne sais pas, je sais pas quoi là. Moi, j'avais eu l'invitation, mais c'était du, comment on appelle ça là? Ah, donc vous vous connaissez avec Tom Melvin? Oui, oui, c'est un jaloux, c'est un grand jaloux. Quand il a appris comme quoi que je devais aller courir un truc là, la Brazzavilloise, mais c'était soi-disant financé par Kiki. Mais moi, je ne savais pas que c'était financé par Kiki, puisque c'est le comité athlétisme de Brazzaville qui m'avait invité. Tout de suite, hein, il a commencé à m'insulter. Il a dit que oui, moi, je suis venu me servir de l'opposition. Moi, je ne me sers pas de l'opposition. Je n'ai pas besoin de me servir de l'opposition. Hein? Moi, je ne suis pas là en train de chercher pour que Kiki m'appelle. Moi, j'en ai rien à foutre de Kiki. Si je veux dire un truc, je dis un truc. Si je ne veux pas dire, je ne dis pas. Dans ce cas, je n'ai pas le temps. Hein? Et puis, il faut arrêter vos conneries. Les histoires, oui, tu as été faire ça pour Kiki. Je m'en fous. Si c'est pour Brazzaville, je vais, je fais. Et je le fais, et je le fais. Hein? Ta grande sœur a dit que là, passe, s'il te plaît. Je passe. Bon. C'est ma grande sœur. Et Bakasso. Gagalateo. Pardon, vous soutenez. Na le bas n'a pas petit nangai dosé. Attends, je ça suis c'est qui pour que Tom parle de toi? Je suis, moi, je dis je suis qui, moi je vais retrouver le non, truc. Non, Tom parle de lui, il fait quoi pour qu'on salue? Il fait quoi même? Il fait quoi ici là? Tout semble là, l'opposition à deux balles, c'est l'opposition à deux balles. Vous êtes une opposition à deux balles. Vous êtes d'une opposition qui vous dites opposition, mais c'est même pas l'opposition, c'est des conneries. C'est pas ça l'opposition. Être opposition, c'est pouvoir s'occuper de son peuple. C'est ça l'opposition. On s'occupe d'abord du peuple. On aide le peuple à pouvoir développer le pays. Il faut développer le pays pour que le peuple puisse manger. On s'en fout du pétrole. Vous êtes là en train de courir après le pétrole pour qu'on puisse vous donner le truc du pétrole. Il faut laisser le pétrole de côté et travailler. Arrêtez avec vos costards, arrêtez avec vos cravates. Ici, on n'en a rien à faire. Développer le pays. Point barre. C'est comme ça. Poto, oui. Nazaline a poto et Nazaline a fier. Point barre. Le reste, je m'en fous. Et je vais repartir en Afrique pour faire des choses. Que vous soyez d'accord ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai des choses à faire au pays. Je dois aller faire des choses pour le pays. Et arrêtez de demander au peuple de se soulever alors que vous ne leur donnez même pas un euro. Vous ne développez même pas les emplois. Rien. Vous ne faites rien. Vous êtes là, vous êtes tous sortis. Vous êtes tous sortis. Vous mangez vos fromages, comme avaient dit certains. Vous mangez vos fromages et boire vos vins, je ne sais pas combien. Et vous êtes là en train d'embêter le peuple. Arrêtez un peu, ça suffit. Laissez le peuple tranquille. Il y a des gamins en ce moment qui sont là-bas, qui cherchent des emplois. Au lieu d'être là, monter la société civile, prendre l'argent ici, aller créer des emplois. Non, vous êtes là en train de dire, oui, Sassou n'a pas fait Sassou. Mais toi-même, tu as fait quoi? Toi, tu n'as fait quoi? On dit, tu as accusé Sassou. Tu as fait quoi? Hein? Même les indignés là qui nous montrent les immeubles. Là. Vous faites quoi pour ces pauvres étudiants qui sont là dehors? Il y a même nos soeurs, nos enfants étudiants qui sont dehors en train de dormir. Vous dites que oui, ça c'est avec l'argent du peuple congolais. Si c'est avec l'argent du peuple congolais, je vous défie de casser la porte et de mettre les étudiants pour qu'ils puissent étudier tranquillement. Ne venez pas nous embrouiller et nous emmerder. Point barre. Moi, j'ai pas besoin de gens. Pas d'électricité. Il y a des Maliens qui sont en train de prendre des financements pour aller monter des puits. Alors, si tu penses qu'il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, tu viens ici, tu es en France, je ne sais pas où tu es en France, tu prends de l'argent et tu vas mettre des puits en place. Voilà, il faut arrêter avec des diasporites où on en a marre.
Qu'est-ce qu'elle a dit? Attends. D'abord, lui, je vais le virer Jamo de Jacumbo. Yo, il faut que Banao le banine. Il dit, veut nous changer de direction ou bien? Yo, que Banao, yo, bingay. Attends. Ça, le roi petit, au foot à deux sœurs, le gars. Ma réflexion a bien beau. D'abord, je vais te virer. Tu sais comment j'ai fait pour tenir 2 ans et bakacho 3 heures de direct. Et tu veux me dire je change de direction. Tu es fou? Ça congolais. On a changé de direction. Tout l'attend, mais le gars, on a changé de direction. D'abord, je vais te virer. Comment tu veux te permettre de dire j'ai changé de direction? Pourquoi? Parce que je l'ai reçu. Tu sais pas que je l'ai traité de prostituée? J'ai traité cette fille de prostituée. Et je la reçois dans mon émission. Tu veux, Kéban, plus jamais. Oui. Bande de fous. Bonsoir. Bonsoir, on a terminé. C'est fini, on a terminé. Voilà. Bonsoir, merci. Vas-y, termine. Bonsoir. Yo, bah, tu vas, je parle de toi. Non, mais je vous remercie. Et puis, voilà, pour ceux qui m'ont suivi. Mes ennemis. Mais regarde-moi des fous comme ça. Laisse tomber, c'est des Congolais. C'est pour ça que le pays n'avance pas. Avec ce genre de comportement. Paye 200 euros comme elle vient parler. Au lieu de me dire que j'ai changé de camp. Doucement, on va se faire virer. Bon, dis-le. Mais ils ont pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux qu'ils payent? Ils ont pas d'argent. Des gens qui n'arrivent pas à payer des cafés, payer des salles. Et ce sont ces mêmes gens qui veulent faire la révolution. Tu n'es même pas capable de payer un café. Tu n'es même pas capable de payer une salle et tu veux faire la révolution. Non, il faut arrêter quoi. Écoute, je vous laisse. Il va te virer. Il ne faut pas t'inquiéter, il va te virer. On n'a pas besoin. Je vous laisse et je vous dis ciao. Bon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au lieu de mettre la musique, d'abord j'arrête. Voilà un fou. Un fou. Qui vient me dire, j'ai changé de camp. Toi, tu me connais, toi. Doucement. Tu sais d'où je viens. Il y a 10 ans, Kassna Finger, maman, bonne soirée.